Puisqu'ils n'ont pas voulu recevoir la vérité, le Seigneur verra en vous. Seigneur notre Dieu, nous sentons petits et indignes dans ta divine présence. Nous ne pouvons rien faire d'autre, Seigneur, mais nous revenons comme l'enfant prodigue. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? Ne nous ferme pas la porte au nez, ouvre-nous, Seigneur, que ce matin, nous puissions entrer, que ce matin, chacun de nous soit connecté à toi. Amen. Que ce matin, chacun de nous soit magnétisé à ton amour. Oh Dieu, fais-nous grâce, Seigneur. Pardonne nos péchés. Oublie nos iniquités. Tu as dit, Seigneur, quand nos péchés abondent, ta grâce surabonde. Oh Seigneur Jésus, apporte-nous cette grâce. Laisse que chacun de nous puisse toucher ta grâce. Qu'il y ait une différence, Seigneur, entre le début et la fin. Que nous partions avec un témoignage vivant et que chacun dise dès ce moment-là, ma vie a pris une autre tournure. Accorde-le-nous, Seigneur. Nous maudissons le diable,
Nous l'éloignons de cet endroit, car il n'est pas notre frère, pour communier avec nous. Que le glorieux Saint-Esprit puisse contrôler la scène. Que chacun de nous soit possédé par le Saint-Esprit. Et que chaque esprit soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Nous croyons de tout notre cœur que tu nous as agréés sous le sang de l'agneau, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Avant de nous rasseoir, ouvrons nos Bibles. Dans Galates chapitre 1er. Wa Galatia sura kwanza. À partir du 6e verset, nous lisons. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Lakini wale wenye sifa na kuwa wana lakini wale wenye sifa na kuwa wana cheo walivyokuwa hivyo hivyo ni wamoja kwangu. Mungu akapokee uso wa mwanadamu. Tafadhali. Galates chapitre 1er partie de Natajabu kwa kuwa mnamcha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo naye kugeuza injili ya namna nyingine wala si wengine lakini hapo watu wa wataabishao na kutosha kuigeuza injili ya Kristo lakini ichapokuwa sisi na malaika wa mbinguni atahubiri nyinyi injili ya yoyote isipokuwa hiyo tuliyohubiri na alainiwe. Amen. Continue un peu. Lakini itapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atakapohubiri nyinyi injili ya yoyote isipokuwa hiyo tuliyohubiri na alainiwe. Kama tulivyo tangulia kusema na sasa nasema tena mtu awaye yoyote akihubiri nyinyi injili yoyote isipokuwa hiyo mliopokea na alainiwe. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bwana Mungu abariki usomi wa neno lake. Monsieur nous rasseoir. Unaweza kuketi tafadhali. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nawasalimia mujina la Bwana Yesu Kristo. Que chacun salue son frère, sa sœur. Na kila mtu asalimie ndugu yake, salimia dada yako. Dis-lui que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Comment ça va? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Utukufu kwa Bwana Yesu Kristo. Je crois que nous sommes dans la joie ce matin. Tuko wenye furaha asubuhi ya leo. Aimez-vous le Seigneur Jésus-Christ? Je mnampenda Bwana Yesu Kristo. C'est lui l'objet de notre culte. Yeye ndiye tunapaswa kuabudu. Notre superstar. Yeye ndio superstar wetu. La personne la plus importante. Mutu wa muhimu sana. Le nom le plus important. Jina ya muhimu sana. L'homme le plus important. Mutu wa muhimu sana. Amen. Amen. Nous pouvons ne pas parler des autres. Tunaweza kutuongelea kuhusu watu wengine. Mais quand nous parlons de Jésus-Christ. Lakini tunaposema kuhusu Yesu Kristo. La pale kabisa. L'enfer tremble. Kuzimu inatetemeka.
Les anges adorent. Wa malaika wanaabudu. Sur la terre, tout vibre. Duniani mambo yote natikisika. Il n'y a aucun autre nom. Hakuna jina lingine. Aussi grand que celui-là. Linachukua kubwa kama vile jina la Yesu. C'est le nom de notre rédemption. Yendo jina ya ukombozi wetu. C'est le nom de notre Dieu. Ni jina la Mungu wetu. Le grand Jéhovah de l'Ancien Testament. Jehovah mkubwa wa agano la kale. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Yeye ndiye Bwana Yesu Kristo ndani ya agano jipya. La même colonne de feu. Yoyo nguzo ya moto. Qui est apparu à Moïse. Yenye ilionekania Musa. Dans le buisson ardent. Katika kichaka ya moto. Le grand Je suis. Iyo niko mkubwa. L'éternel je suis. Wa milele niko. Le Dieu d'Abraham. Mungu wa Ibrahimu. Celui-là. Yeye yule. Qui a conduit Israël dans la colonne de feu. Ambaye aliongoza Israel kupitia nguzo ya moto. De l'Égypte en Canaan. Toka Misri mpaka Kanani. C'est le même. Yule yule. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Dieu dans la chair humaine. Mungu ndani ya mwili ya mwanadamu. Qui est venu nous racheter. Ambaye alikuja kutukomboa. Quand Jésus se promenait dans les rues de Galilée. Yesu alipokuwa akitembea katika barabara za Galilaya. C'était Jehovah Dieu. Alikuwa ni Jehovah Mungu. Quand il était bébé, c'était Jehovah bébé. Alipokuwa mtoto mchanga, alipokuwa Jehovah mtoto mchanga. Il a changé de forme. Akabadilisha tu umbo. Il est devenu humain pour comprendre les humains. Akakuwa mwanadamu ili aelewe wanadamu. Afin de donner sa vie. Ili atoe uzima wake. Pour notre rédemption. Kwa kutukomboa. Pour notre rachat. Kwa kutukomboa. Nous sommes rachetés. Tumekombolewa. Par le sang de Dieu lui-même. Kupitia damu ya Mungu mwenyewe. Jésus n'était pas un juif. Yesu hakukuwa Myahudi hapana. C'est pas un homme de nation. Na haikuwa hata mtu wa mataifa. Il avait été dit à Marie. Ilisemekana kwa Maria. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Roho Mtakatifu atakufunika kwa uvuli wake. Ce n'est pas une affaire humaine. Haiko mambo mbona husu wanadamu hapana. Amen. Amen. Alors Jésus. Sasa Yesu. C'est Jehovah Sauveur. Ni maana yake Jehovah Mkombozi. Il est venu goûter à la douleur. Alikuja kuonja machungu. Que quand nous disions Seigneur, j'ai mal. Na tunaposema Bwana nasikia naumizwa. Qu'il comprenne notre langage. Apate kuelewa usemi wetu. Il est venu goûter à la faim. Alikuja kuonja njaa ni nini? Que quand nous disions Seigneur, j'ai faim. Ili tukaposema Bwana nasikia njaa. Qu'il comprenne le langage des humains. Apate kuelewa masemi ya wanadamu. Les anges ne comprennent pas notre langage. Wa malaika hawaelewake masemi yetu. Mais Jésus. Lakini Yesu yeye. Lui comprend. Yeye anaelewaka. Le seul qui te comprend mieux. Na yule ambaye anakuelewa zaidi. C'est lui Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo pekee. Amen. Amen. Et il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Na alisema kwamba ni weri kwenu nipate kuenda zangu. Et il est parti. Na kaenda. Mais il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Lakini akasema sitawaacha mayatima. Je viendrai à vous. Nitawajia tena. Le monde ne me verra pas. Ulimwengu hautaniona. Mais vous me verrez. Lakini nyinyi mtaniona. Parce que je serai avec vous et même en vous. Kwa kwetu kwa pamoja nani hata ndani yenu. Jusqu'à la fin du monde. Mpaka mwisho wa ulimwengu. Donc je vais changer de forme. Maki nitabadilisha tu umbo. Le même Jehovah Dieu. Ule ule Jehovah Mungu. Qui était au-dessus de tout. Ambaye alikuwa juu ya mambo yote. Lorsqu'il descendait sur la montagne. Aliposhuka juu ya mlima. Personne ne pouvait toucher la montagne. Hakuna angeweza kugusa huyo mlima. C'est le même là qui est devenu un bébé. Ni ule ule ndiye aligeuka kuwa mtoto mchanga. Hallelujah. Amen. Et mailloté. Akivikwa vitambaa. Là dans la bergerie. Hapo katika ori la ngombe. La nuit de Noël. Usiku ya Noeli. Parce que c'était un agneau. Kwa kuwa yeye alikuwa ni mwana kondoo. Et les agneaux ne naissent pas dans des hôtels ni dans des maternités. Na wana kondoo wazalika katika ma maternité wala ma hoteli hapana. Les agneaux naissent dans la bergerie. Wana kondoo wanazalika katika nafasi ya kuchungia wanyama. Il devrait manquer de place. Ndio maana ilibidi akose nafasi ya kuzaliwa. C'est l'agneau de Dieu. Kwa kuwa yeye le péché du monde. Ni mwana kondoo wa Mungu aziondoae dhambi za ulimwengu. Amen. Amen. Le sang qui coulait dans ses veines. Damu ambayo ilikuwa inatiririka katika mishipa yake. C'était le sang de Dieu lui-même. Ilikuwa ni damu ya Mungu mwenyewe. Même la salive de Jésus. Ata mate. La salive de Dieu. Mate ya Yesu ilikuwa ni mate ya Mungu.
Quand il trouva cet aveugle né, il a craché par terre. Il a mis de la boue sur ses yeux. Il dit, va te laver au réservoir de Siloé. Vous savez très bien que Siloé veut dire envoyer. C'est-à-dire, va chez le prophète. Pour que tu vois. Il est allé avec de la boue. Fabriqué par la salive de Dieu. Il est matope à mate à Mungu. Arrivé chez le prophète. Alipofika kwa nabii. Le réservoir de Siloé. Iyo kijito ya Siloé. Alors il pouvait laver ses yeux. Sasa angeliweza osha macho yake. Il pouvait voir. Na pale angeliweza kuona. Amen. Amen. Cet homme de Jésus. Uyo Yesu. Il est merveilleux. Yeye ni wa ajabu kabisa. Un jour. Siku moja. Il dit à ses disciples. Akaambia wafuasi wake. Passons de l'autre côté. Tupite ngambo ingine. Et il a cru à sa parole. Na yeye mwenyewe akaamini neno lake mwenyewe. Et il dormit. Na kisha akalala. Commencé à ronfler. Akaanza kungoroma. En tant qu'humain, il dormait. Kama vile mwanadamu akalala usingizi. En tant que Dieu, il veillait et surveillait la scène. Kama Mungu hakulala alikuwa anakesha juu ya chumba yote. La Bible dit, Biblia nasema, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Yule ambaye anakinga Israeli halale ama hasinzii. Amen. Amen. Ils ont commencé à se débrouiller. Wakaanza kujitafutia gisi ya kupata suluhisho. Ils ont oublié la première parole. Ils ont oublié la première parole. Wakasahau neno la kwanza. Quand il dit passons de l'autre côté. Wakati Yesu aliposema tupite na ngambo ingine. S'il pouvait croire à cela. Kama ungeweza kuamini hiyo neno. Il pouvait rester calme. Na wangeweza kubakia kimya. Il ne pouvait pas se débrouiller. Na wangejitafutia kisa kutafuta suluhisho. Malgré les vagues, les vents, la tempête. Hata kama zoruba ilikuwa na upepo ilikuwa nyingi. Mais ils n'ont pas saisi. Et ils n'ont pas cru à cette parole là. Wafuasi wakunasa hiyo na wakuamini hiyo neno. Mais Jésus lui croyait sa parole. Lakini Yesu yeye aliamini neno lake. Rien ne sortait de sa bouche par hasard. Na hakuna kilichotoka kinywani mwake kwa bure tu. Ils se sont débrouillés. Wakatafuta kisi ya kupata suluhisho. Ils ont jeté même leurs affaires. Na wakatupa hata vitu vyao ndani ya bahari. Mais la tempête. Lakini zoruba. Les vagues. Upepo. En tout cas, le diable s'était déchaîné sur eux. Kabisa shetani alikuwa anajimwaga juu yao. Et il na ili apate kuangamiza. Le Seigneur dormait calmement. Lakini Bwana Yesu alikuwa akijilalia yake. Jusqu'à ce qu'ils se sont rappelés qu'il était là. Mpaka kisa wakukumbuka ya kwamba Yesu alikuwa ndani ya meli. Amen. Amina. Et ils l'ont bougé. Na wakamsinsimua. Seigneur. Wakisema Bwana. Ne t'inquiète tu pas. Est-ce que nous périssons? Aone kisiko tunaangamia. Ne t'inquiète tu pas. Je kabisa haikwambie kitu. Il fait comme quelqu'un qui se réveille. Akafa kama vile mtu ambaye anatoka ndani ya usingizi mkubwa. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Akasema kuna nini basi? Regarde Seigneur, nous périssons. Wakasema, regarde les angalia kisiko tunaangamia, tuko tunaangamia. Rien ne va dans ma vie. Kuna kwa upepo kabisa ndani ya maji. Ça ne va pas. Samba yendeke, yendeke. Il était calme. Yeye Yesu alikuwa kimya kabisa. C'est un homme calme. Kwa kuwa yeye ni mtu ambaye anakuwa kimya. Il n'est pas surpris par les événements. Yeye hashtuki na mambo yanayotokea. Rien ne l'étonne. Na kuna kinachomshangaza. Il connaît la fin avant le commencement. Anajua mwisho ya mambo kabla kipate kuanza. Il a regardé seulement la mer. Akaangalia tu bahari. Il a dit, na kasema, calme. Tulia. Et tout s'est calmé. Na mambo yote katulia. Ils se sont tournés maintenant vers lui. Sasa wakaangalia Yesu. Qui est celui-ci? Huyu mtu ni nani? Donc vous étiez avec lui tout ce temps mais vous ne saviez pas qui. Walikuwa pamoja na wewe na wako wanajua yeye ni nani? Qui est celui-ci? Wakajiuliza huyu mtu ni nani? A qui obéissent même le vent. Ambaye hata upepo inamtii. Ces
C'était Jéhovah Dieu dans la chair humaine. Alikuwa ni Yehova Mungu ndani ya mwili ya mwanadamu. Celui qui avait créé les océans. Ule mbali umbaka maji, upepo, zoruba na mambo yote. C'est lui l'Éternel des armées. Yeye ndio milele Mungu Bwana majeshi. Ambaye hawezi kushindwa na chochote. L'homme calme. Mtu ambaye anakuwa ndani ya kimya. Même au jour de sa crucifixion, il y avait du bruit. Hata siku ya kusulubishwa kwake kulikuwa fujo, kila mtu alikuwa kibabaika. C'était le crucifix. Mmoja pekee ambaye alikuwa kimya nilikuwa ni Hallelujah. Amen. Il n'a jamais été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant les commencements. Il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de toi. Il veille sur toi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Amen. Il est merveilleux. Yeye ni wa ajabu kabisa. Quand il a versé son sang, alipomwaga damu yake, quand de son cœur, quand le soldat romain a introduit l'épée, plutôt la lance romaine, quand ça a transpercé sa côte, n'oubliez pas que Ève est sortie de la côte d'Adam. Le second Adam était endormi là-bas. Adam wa pili alikuwa akilala hapo kwenye msalaba. Alikuwa hapo. Il était là-bas sur la table d'opération de Dieu. Hapo kwenye meza ya kupasuliwa ya Mungu. Là sur la croix. Hapo juu kwenye msalaba. Eve était en lui. Awa alikuwa ndani yake. Alors quand la lance romaine a transpercé sa côte. Wakati mkuki ya Kirumi ilingia ndani ya ubavu wake. Comme à la maternité. Sablet kwenye maternité. L'eau sortit. Maji katoka. La poche des eaux était rompue. Iyo nafasi ya maji kapasuliwa. Mfuko ya maji. Hallelujah. Amen. On a vu le sang sortir. Wakaona damu nao pia inatoka. Et enfin la vie. Il expira. Uzima nayo pia. Chaque naissance véritable, c'est trois choses. Kila kuzaliwa halisi kuna kwa mambo tatu ambayo inapaswa pitika. C'était la naissance de l'épouse. Hiyo ilikuwa ni kuzaliwa kwa bibi harusi. Hallelujah. Amen. On l'a enterré. Wakamzika. Il n'avait pas besoin d'un tombeau. Hakuitaji kaburi. Comme il avait emprunté. Gisi tu alikopeshaka. Un sein pour naître. Alikopeshaka nafasi ya kuzaliwa matumbo ya mbange zaliwa ndani. Il avait emprunté un sein pour naître. Alikopeshaka tumbo ya kuzaliwa amo ndani. Il a dû emprunter aussi un tombeau. Na pia akakopesha nafasi ya kuzikwa. Il n'avait pas kaburi. Besoin de ça. Il n'allait pas traîner dedans. Juange kauya ndani ya yo kaburi. Ah! Voilà l'homme que nous adorons. Ona mtu ambaye tunayemwabudu. Le vendredi après-midi. Iyo siku ya tano kisha midi. Le samedi, siku ya sita, oh, il faisait un travail terrible. Alikuwa anafanya kazi ya matata kabisa. Seveli, il prit tous les péchés du monde. Alipozikwa akachukua zambi zote za ulimwengu. Tes péchés et les miens. Zambi zako na zangu. Il les a charriés jusqu'au propriétaire. Akazipeleka kwa mpaka kwa mwenyeji. Il les a jetés sur le nez du diable. Akazitupa kulipua ya shetani. Allez, reprends. Kamata byako. Reprends ton mal. Kamata ubaya wako. Tu as souillé mes enfants avec. Ulichafua sana watoto wangu. Kamata byako. Vivant il me manque. Alipokufa kanipenda. Enseveli il emporta mes péchés au loin. Et puis si t'as me justifié. D'être libre, et un jour va venir. Oh, quel jour glorieux! Un jour il va venir.
Oh, quel jour glorieux. Vous voyez? Dieu m'naona. Le troisième jour. Siku ya tatu. Rien ne pouvait l'empêcher de sortir. Akuna tindele muzuiza kutoka ndani ya makaburi. La résurrection de Jésus n'est pas venue d'ailleurs. Ufufuko wa Yesu kutokea nje. La résurrection de Jésus était en lui. Ufufuko wa Yesu ulikuwa ndani yake mwenyewe. Quand il marchait. Alipokuwa akitembea. Il marchait avec sa résurrection. Alitembea akiwa na ufufuko wake ndani yake. Il avait la résurrection en lui. Alikuwa na ufufuko ndani yake. Mais il ne pouvait pas ressusciter avant les trois jours. Lakini hangeweza fufuka mbele ya hizo siku tatu. Parce qu'il y avait une écriture qui lui barrait la route. Juku likuwa andiko amelikuwa anamfungia njia. Et maintenant que vous me voyez ici. Sasa nami unavyoniona hapa. J'ai ma résurrection en moi. Nina ufufuko wangu ndani yangu. Tu es là. Na wewe kisuko pale. Ta résurrection. Uko na ufufuko wako ndani yako. Rien ne peut pas résister. Na kuna cha kukupinga. Satan ne peut pas t'empêcher de résister. Shetani hata kuzuiza ufufuke. Il y a seulement une écriture. Lakini kuna tu andiko pekee. T'empêche de le faire maintenant. Amwana kuzuiza usifanye sasa hivi. C'est merveilleux, hein? Ni ajabu kabisa. Voilà cet homme de Galilée. Huna ule mtu wa Galilaya. C'est merveilleux. Ni ajabu. Oh, combien il est merveilleux. Marangapi iko ajabu sana. Les militaires par terre. Waskari wakanguka chini. Avec leur pierre romaine. Wakiwa na jiwe yao ya Kirumi. Et cet homme sorti. Na huyo mtu akatoka. Victorieux. Mwenye ushindi. Il y a un seul tombeau vide à Jérusalem. Kuna kaburi moja pekee ambayo inakuwa vide tupu. Il y a un site touristique. Ambao watu wanaenda kupeleleza kuangalia. Il y a rien dedans. Na humo ndani hamna kitu. Quand il est apparu. Sasa Yesu alipoonekana. Ils ont eu peur. Wakasikia oga. Ça va être un fantôme. Wakasema huyu ni mtu ni mufu, ni mufu, muzimu huyu. C'était lui. Japo ilikuwa ni yeye. Thomas a dit, je suis pas sûr. Thomas akasema mimi siaitika kani. Inanibidi niguse na mie. Frère, la résurrection que nous attendons n'est pas spirituelle. Ufufuko tunaongojea haiko ufufuko ya kiroho. C'est maintenant que nous sommes ressuscités. Ni sasa ndio tumefufuka ndani ya kiroho. Nous quittons les tombeaux dénominationnels et tumetoka katika makaburi za kidhehebu. Mais celle que nous attendons est physique. Lakini ufufuko tunaongojea ufufuko ya kimwili ya kuonekana na macho. Amen. Amen. Il dit, akawaambia, c'est pas un ange ou un esprit, viens toucher. Haiko malaika wala haiko roho ambaye alirudia. Kuyagusa Thomas. Thomas a touché. Thomas akagusa. Dans les stigmates. Akagusa mwile matundu. Il a c'est lui. Akasema, mboni yeye. Regarde les traces. Angalia ile makovu. Les traces de plaies avec la makovu ya bidonda ile tache ya miba walinivalisha kaangalia mabilonda. C'est dans ces meurtrissures que vous êtes guéri. Ni kwa kuchubuliwa ni kwa ima kuchubuliwa njo mumepona. Mais oui, c'est lui. Dio ni yeye. Vous doutez encore de moi. Mbona mnashakia? Il y a mangé. Ulipati mkate. Je ku chakula hapa. Il y avait du poisson et un rayon de miel. Kulikuwa samaki na na asali. Il a mangé. Akakula. Un esprit ne mange pas. Mbona roho haikulaki? C'est son corps glorieux. Ni mwili wake mtufu. Il est dit quand il monta au ciel. Nimesemekana kwamba akapopanda mbinguni, alipopanda mbinguni, après avoir donné les instructions à ses disciples. Kisha kuagiza wafuasi wake, après avoir donné ou avant de donner. Non, c'est toi qui as mal parlé. Après avoir donné les instructions à ses disciples. Kisha kupana maagizo kwa wa mitume wake. Il disparut. Akatoweka, c'est kapotea. Une disparition. Ni kupotea. Il commençait à regarder. Wafuasi wake wakaanza kuangalia. C'est alors qu'on leur dit. Ni hapo sasa wakawaambia. L'ange leur dit. Malaika kawaambia. Tel que vous l'avez vu partir. Vile vile mlivyomuona anapanda. C'est comme cela que vous le verrez encore. Na ni hivyo hivyo mtakapomuona atakaporudi. Il reviendra dans le même sorte, la même sorte. De bâtiments ou de maisons ou de corps. Hali ya mwili.
Il est parti dans un corps glorieux. Alipanda akiwa ndani ya mwili mtukufu. Il reviendra dans un corps glorieux. Na atarudi tena akiwa ndani ya mwili mtukufu. Les autres choses, les autres venues sont des apparitions, ce n'est pas la venue. Hiyo majio mengine ni kuonekana tu lakini haiko ujio. Comme il est apparu dans les cieux d'Arizona. Kisa lionekana katika mawingu ya Arizona. Et on a pris sa photo. Na wakachukua picha yake. Comme il peut apparaître ici. Na kisa na kutuonekania hapa. Tu as un problème, il peut t'apparaître. Unapokuwa na shida, anaweza kukuonekania muumbo yangu. Et il te donne le pour la solution. Na nakupatia suluhisho. Il peut apparaître dans le corps du pasteur. Anaweza kukuonekania muumbo ya mchungaji. Il prend la forme de ton pasteur. Anakamata umbo ya mchungaji wako. Ce sont des apparitions. Hiyo kuonekana. Mais cet homme de Jésus. Lakini huyo mtu Yesu. Va venir. Atakuja. Et nous attendons sa venue. Na tunangojea ujio wake. Voilà pourquoi même en 65. Jomana katika mwaka makumi sita na tano. Frère Wanam en prêchant, quelle est cette attraction sur la montagne? Il envoie ses salutations aux frères. Akasalimia wandugu. Nous envoyons nos salutations. Tunatuma salamu zetu. De la côte est à la côte ouest. Kwa hiyo ngambo ya mashariki na magharibi. À nos frères qui attendent sa seconde. Wale wandugu ambao wanangojea ujio wa pili. Comme nous ici, nous attendons sa seconde. Na hapa nako tunangojea ujio wa Yesu Kristo wa pili. Est-ce que c'est compliqué ça? Je, hiyo kabisa haieleweki. C'est clair. Iko wazi kabisa. Amen. Amen. Un jour il va venir. Siku moja atakuja. C'est ce que nous attendons. Nanjo tunangojea hiyo. J'aimerais vous réveiller un peu ce matin. Nilipenda kuamsha asubuhi ya leo. Il revient bientôt. Na kuambia kwamba Yesu anakuja punde si punde. Il y a des gens qui ont changé l'évangile. Wengine walibadili injili yao. Ils ont changé l'évangile. Walibadilisha injili. Ils ont perverti l'évangile de Jésus. Wakageuza injili ya Yesu. Et les gens ne sont plus dans l'expectative. Na watu hawajingojelee tena. Ils ont oublié la promesse. Wakasahau ahadi. Frère. Ndugu. Ce monde doit bouger. Ili mwengu napaswa tikisika. Nous sommes au temps de la manifestation des fils de Dieu. Tuko kwa wakati wa uzirisho wa wana wa Mungu. Un homme dans le quartier qui a Dieu, qui a ce message, doit faire bouger tout le quartier. Ana paswa tikisa kata yote. Un vrai croyant dans une société, la société bouge. Jamii inapaswa kutikisika. On sait que Jésus est là. Na wanajua kwamba Yesu iko pale. Dans son enfant. Ndani ya mwana wake. Dans sa fille. Ndani ya binti wake. Dans son fils. Ndani ya mwana wake. Mais aujourd'hui, lakini leo, les loups ravisseurs, yo mbwa mwitu ya kurarua, se sont introduits dans le trou. Zimejipenyeza ndani ya kundi. Et les gens sont venus. Na watu wamekuja. Ils ont commencé à raconter n'importe quoi. Wanaanza ongea izuru mambo gani. Ils ont détourné l'attention des gens. Na wakaga beba pembeni kuangalia kwa watu ambao uangalifu wa watu. La pureté du message. Hiyo usafi ya ujumbe. A été ôté. Ikaondolewa. Na les gens croient n'importe quoi. Na watu wanaanza amini haizuru kitu gani. Et ils vivent n'importe comment. Na wanaishi haizuru namna gani. Quand vous mangez à la poubelle. Unapokulia kuyalala. Vous serez malade. Utakuwa mgonjwa. Toutes sortes d'astico. Ma minyole yote, ma mikrobe ama uchafu wote. Vous vous régalez de ça, vous mangez, vous croyez. Unakula, unakula, unamiza. Chaque repas n'est pas réellement la vraie nourriture. Haiko kila chakula ni chakula nzuri. La nourriture d'aujourd'hui. Chakula ya leo. Est spéciale. Ni chakula ya kipekee. C'est pour nous donner, nous inoculer la foi pour l'enlèvement. Ni kwa ajili tupatie imani kwa ajili ya unyakulivu. Amen. Amen.
dans la nourriture spirituelle au temps convenable. La vraie nourriture. Hiyo chakula halisi. Qui n'est pas avarié. Yenye haichangamane. Écoutez ce qu'il dit. Sikia kile ambacho nasemekana. Paragraphe 4e. Verset 1. Il dit, je veux que vous vous affermissiez maintenant dans ces saints oracles de Dieu. Napenda mutiwe nguvu katika maagizo takatifu. Dans la foi. Ndani ya imani. La foi de cette heure. Imani ya hii wakati. La foi, il faudra plus de foi qu'il n'y en a jamais eu. Itabidi imani nyingi sana kushinda gisa haijakuwaka. Dans tout autre âge. Katika kizazi, car kizazi ceci doit être la foi pour l'enlèvement. Kwa kuwa hii napasha kuwa ni imani kwa ajili ya unyakulivu. Pour être enlevé au ciel. Ili upate kunyakuliwa mbinguni. Est-ce que vous avez déjà lu là-bas? Je, mushaka soma pale. Pour être enlevé où? Au ciel. Ili unyakuliwa wapi? Mbinguni. Ça, c'est le 18 juillet 65. Cet homme de Dieu n'avait jamais changé sa doctrine. Il croyait la même chose. Ceci doit être la foi pour l'enlèvement. Pour être enlevé au ciel. Ili tunyakuliwe mbinguni. Et alors nous voulons que vous croyiez. Napenda sasa muamini. Ce soir, c'était un soir. Ilikuwa à tout jioni. Ce que vous avez vu et entendu. Kwa yote mlio iona na kusikia. À la parole que vous avez entendu prêcher. Kwa neno mlio sikia inahubiriwa. Au signe. Na kwa ishara. Et au prodige na kwa miujiza que vous avez vu s'accomplir, ambazo mliona zinatimia. Nous voulons que vous emmagasiniez tout cela dans votre cœur. Tunapenda muweke galani hiyo mambo yote ndani ya mioyo yenu. Vous réfléchissiez na mupate kutafakari à savoir si oui ou non il s'agit de Dieu. Kujua kama ndio au la ni Mungu au hapana. Est-ce qu'il s'agit de Dieu? Je ni Mungu. Frère, ce message ujumbe, ne doit pas connaître un obstacle. Ujumbe apashe kushindwa. Celui qui croit yule ambaye anaamini véritablement kialisi au message de William Branham. Kujumbe ndugu Branham, c'est un super homme. Huyo ni mtu kabisa wa ajabu. Une super dame. Ni mwanamke super. Une super fille. Ni binti ambaye anakuwa super. Comme un extraterrestre. Ni savile mtu ambaye anakuwa anga zingine. Aueleweke. Tu deviens mystique. Unakuwa ambaye ueleweke mbele za macho ya watu. Tu vis dans un monde propre à toi. Unaishi katika ulimwengu yako wewe mwenyewe. Savile Yesu. Mais pourquoi ce message est affaibli? Sababu gani ujumbe imeshindwa imezofika? Est-ce la parole de Dieu qui est devenue inefficace? Comment dans l'Ancien Testament, avant l'expiation véritable, les gens voyaient Dieu n'importe où? Sababu gani katika galo la kale mbele ta kuondolewa kwa dhambi halisi ifanyike? Watu walikuwa wanaona Mungu aizuru mahali popote. Regardez même ceux qui dorment là. Lakini angalia tasai watu wako wanalala japo neno liko nahubiriwa. Ils ont prié toute la nuit. Je waliomba usiku yote wala walibaki walikuwa wanafuata ma cinema. Si Manok pouvait discuter avec sa femme. Kama Manok angeweza kuongea na mke wake. Toi tu as vu l'ange. Je waliona na malaika. Et il t'a dit ça. Na alikwambia hivi na hivi. Moi aussi je vais le voir. Na mimi napenda nione ule malaika. Avec le sang de bouc de walikuwa chini ya damu ya mabebero na mangombe. De gros et de menu bétail. Hiyo mangombe kubwa na ndogo. Ce sang-là, qui typifiait seulement le calvaire. Il quoi nous fano tu ya calvaire. Ça n'enlevait pas le péché. Quoi na ondo a Zambia. Ça ne pouvait pas ôter le péché. Haingeweza ondo a Zambia. Ça couvrait le péché pendant un moment. Il quoi na funika tu Zambia kwa muda fulani. Mais les gens rencontraient les anges. Lakini watu kwa naonana na wamalaika. Ils parlaient avec Dieu. Wanaongea na wamalaika. Ils croyaient au surnaturel. Na walikuwa wanaamini ile juu ya maumbile. Mais aujourd'hui, lakini leo, où nous avons la pleine japo tuko na utimilifu révélation. Utimilifu wa ufunuo.
et très bientôt la pleine rédemption. Na parce qu'il ne reste que la rédemption de nos corps. Mais regarde l'état de l'église. Lakini angalia hali ya kanisa. L'église c'est toi et moi. Japo kanisa ni wewe na mimi. C'est toi ma sœur. Ni wewe dada yangu. C'est toi. Ni wewe. Regardez le relâchement qu'il y a. Angalia kuachilia yenye iko. Mon sujet c'est retournons à l'ancien évangile. Na kili yangu ya leo ni kusema turudilie injili ya zamani. Ouais. Retournons là-bas. Quand nos frères étaient dans la chambre haute, ils ont prié. Ils ont prié. Le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils étaient scellés à l'intérieur. C'est là qu'ils comprirent Jésus. Qui est Jésus? Ndipo wakaelewa sasa Yesu ni nani? Alors qu'ils étaient toujours avec lui. Japo kila mara walikuwa pamoja na Yesu. Lakini hawakuwa wanajua Yesu ni nani. Sans le Saint-Esprit, tu ne le connais pas. Bila Roho Mtakatifu hauwezi kumjua Yesu ni nani. Non! Hapana kabisa. Il dormait avec lui. Alikuwa analala pamoja na wao. Qui il était? Lakini hawakuwa wanajua Yesu ni nani. Il mangeait avec lui, mais il ne le connaissait pas. Mais ce jour-là, le jour de la Pentecôte, quand il entra dans leur âme, c'est alors que même Marie comprit qui était cet enfant. Alors que c'est elle qui était sa mère. C'est alors qu'elle comprit. Parce qu'elle était aussi parmi les 120. Elle reçut le Saint-Esprit dans son cœur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Il leur a fait écrire un livre des actes. C'était les actes du Saint-Esprit. Ils ont vécu une vie spéciale. Wakaanza ishi maisha ya kipekee. Quelque chose leur est arrivé. Kuna kitu fulani ambacho iliwafikia. Oh frère, j'ai reçu le Saint-Esprit. Oh ndugu, nilipokea Roho Mtakatifu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Sasa nini likufikia? Rien. Kuna kitu. La même personne. Ule ule tu mtu tu anabakia vile. D'ailleurs, elle devient pire. Japo alikuwa tena anakuwa sasa mbaya zaidi. Nous avons beaucoup de païens éduqués assis sur le banc de l'église. Plein de connaissances de la parole dans le cerveau. Mais le cœur vide. Lakini mioyo iko wazi, haina kitu. Mais si le cœur lakini kama moyo transporte le Seigneur, unapeleka Bwana, si le cœur kama moyo est un réceptacle. Inakuwa ya kupokea. Si le cœur kama moyo transporte l'arche, inakuwa na sanduku ya gano. Les commandements de Dieu sont à l'intérieur. Amri za Mungu zinakuwa umo ndani ya moyo. Je vous ai dit comment Moïse avait eu la vision du ciel. Niliwaonesha namna gani Musa alipopata ono ya mbingu. Dieu lui a montré combien il y avait trois compartiments. Dieu lui dit, reproduis la même chose sur la terre. Quand Moïse vint, il a dessiné ça. Il a appelé des gens comme Bezalel. Des gens intelligents qui pouvaient avoir une mémoire photographique. C'est que le prophète dit. Il doit pas te kuchapa kila ambacho nabii amesema. Ces gens étaient bien choisis. Wale watu walichaguliwa vizuri kabisa. Ils ont reproduit la vision de Moïse. Na wakazirisha hiyo ono ya Musa. C'était le tabernacle. Ilikuwa ni maskani. La tente d'assignation. Hiyo hema
ya kusanyiko. Hallelujah. Amen. À l'intérieur, Umondani, dans chaque compartiment, katika kila chumba, il y avait quelque chose. Kulikuwa kitu fulani. Quand vous entrez, l'entrée était à l'est. Unapoingia kuingia ilikuwa mlango ilikuwa nafasi ya mashariki. On n'a pas mis l'entrée au nord ni à l'ouest. Hawakutia mlango magharibi au kaskazini. L'entrée était à l'est. Lakini mlango ulikuwa mashariki. Amen. Amen. Pourquoi à l'est? Sababu gani mashariki? Le soleil se lève à l'est. Jua inalamka toka mashariki. L'évangile a commencé où? Injili ilianzia wapi? À l'est. Mashariki. Commencé par le calvaire. Anzia kwanza pale kumsalaba. Et qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Na pale kulikuwa nini? Il y avait l'autel des holocaustes. Kulikuwa mazabau ya sadaka. Là, on devait brûler. Na pale libidi wachome. Voilà le problème que nous avons. Ndio shida tunayo leo. Passer par la porte. Pitia kumlango. Et la porte c'est Jésus-Christ. Na mlango ni Yesu Kristo. Et Jésus-Christ c'est la parole. Japo Yesu Kristo ni neno. Et la parole dit repentez-vous. Nalo inasema tubuni. Et la repentance veut dire un regret sincère. Na maana ya toba maana unasikia unahuzunika katika wadilifu. Je regrette ma vie passée. Mimi najuta maisha yangu ya kale. Je regrette cette attitude. Mimi najuta hii hali. Pourquoi ai-je vécu comme tel? Je ya nini nilivaa hivi? J'ai crucifié le fils de Dieu. Nilisulubisha mwana wa Mungu. Ah. Aha. À partir de ce regret là, ça kutokea hiyo kujuta, vient la confession. Unaanza kiri sasa. S'il y a quelque chose, kama kuna kitu fulani. Oh, la grand-mère m'avait laissé ça. Oh, tati yangu aliniachia hivi ili nipate kujikinga. Vous amenez en brûle. Unaleta bile bana bichoma. Beaucoup de gens, watu wengi, ont été baptisés mais ils gardent ce que la grand-mère avait laissé. Walibatizwa lakini walibakia bila walibakia bila ambao tatao walopatiaka ili wapate kuendelea mbele. Ça c'est quelle repentance? Sasa hiyo ni toba gani? Ah. Ça c'est quoi frère? Hiyo ni nini ndugu? Oh, vous voyez ça? Oh, unaona? J'ai hérité ça du grand-père. Hii nilirizi toka tatao. Pour me protéger contre les esprits. Oh, hii mulinga nilirizi ili nipate kukingwa toka. Alors tu n'as pas encore compris. Sasa hujaelewa. Quand on vient au Seigneur, on vient complètement. Unapokuja kwa Bwana unakuja wote. Le monde doit tomber. Ulimwengu unapaswa anguka chini. Les choses du monde doivent rester dehors. Mambo ya ulimwengu unapaswa bakia nje. C'est l'holocauste. Tout doit brûler. Ni sadaka inapaswa kuchomwa. Après être lavé par la parole. Na kisha kuoshwa tia neno. Vous êtes baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. On a baptisé au mujina la Bwana Yesu Kristo. Je meurs dans l'ancienne vie. Ninakufa ndani ile maisha ya kale. Je ressuscité avec Christ. Na ninafufuka nikiwa na Kristo. C'est ça le sens du baptême. Ndio maana ya kubatizwa. Le mot baptême veut dire immerger dans. Tamko baptizo ni kusema kuzamishwa ndani ya. La racine même du mot baptême ceux qui ont étudié. Hiyo maana ya kubatizwa. Ça veut dire immersion, immerger dans. Manake bana kuzamisha bana kutumbukiza ndani ya. C'est pas cette farce là où on met quelques petites gouttes d'eau sur la tête. Aiko ile urugaruka ambao anatia matoni fulani kukichwa. Ambao sisi ala kutupia mamaji anakuambia nakubatiza. Hiyo ni urugaruka kapalata. Les premiers chrétiens on les immergeait. Wa Kristo wa kwanza walikuwa wanazamishwa ndani ya maji. Pour dire j'abandonne l'ancienne vie. Kusema kwamba naachana na maisha ya kale. Mimi nakufa. Alors on m'enterre. Sasa wananizika. Montrez-moi quelqu'un qui veut être enterré et puis on le laisse là-bas, on met un peu de sol ici. Mwana anapenda kuzikisha bana mwacha pale bana mchatu mamai kukichwa bana mwacha aende. Tout le sens de la parole. Maana yote ya neno. Échangé à cause de la théologie mal interprétée. Imebadilishwa juu ya utheolojia ambayo imetafsiriwa vibaya. Et les gens intelligents, ils ne comprennent rien. Parce qu'il faut la révélation. Kwa sababu inabidi ufunuo. À l'est. Uko mashariki. Pourquoi à l'est? Sababu gani mashariki? À l'est. Mashariki. Il y avait trois tribus. Kulikuwa kabila tatu.
qui gardaient la porte. Ambazo kwa zina chunga mlango. Et le chef de ces trois tribus c'était Judas. Na bwana mkubwa hizo kabila tatu alikuwa ni Yuda. Et Judas. Na Yuda. L'emblème de cette tribu c'était le lion. Bendera ya hiyo kabila ilikuwa ni simba. Et le lion dans la parole de Dieu, c'est la parole dans sa puissance. Na simba katika neno la Mungu maki ni neno ndani ya uweza wake wote. Tu viens à Jésus-Christ. Unapokuja kwa Yesu Kristo. Tu veux recevoir la vie. Na unapenda upokee uzima. Tu veux recevoir le Saint-Esprit. Unapenda upokee Roho Mtakatifu. Commence par la parole. Anzia kwanza kuneno. La parole dans sa puissance. Neno ndani ya nguvu yake yote. Voilà ce qui produit la nouvelle naissance. Ile ndio inazaa kuzaliwa mara ya pili. Que la parole de Dieu neno la Mungu kwanza te soit prêchée likuhubiriwe dans toute sa puissance de résurrection katika nguvu yake yote ya ufufuko. Voilà la porte. Hiyo ndio mlango. Tu veux commencer une église, commence par la parole. Unapenda anza kanisa, anza na neno. Tu veux le mariage, unapenda ndoa, commence par la parole. Anzia kwa neno. Quoi que vous fassiez, mambo yote mnayoifanya, que la parole prenne na neno. Neno kwanza itangulie mambo yote. Hallelujah. Amen. C'est ça l'entrée. Hiyo ndio mlango. Voilà la justification. Na hiyo ndio kuhesabiwa haki. Beaucoup de gens ne sont même pas justifiés. Watu wengi hawajahesabiwa haki. Parce que là, kwa sababu hapo, le premier compartiment. Hiyo chumba cha kwanza, il y avait deux choses très très importantes. Umo ndani mlikuwa mambo mbili ya muhimu sana. D'abord ce bassin de rein. Hiyo mbegeti ya shaba. Dans ce bassin il y avait l'eau de séparation. Katika ile beseni kulikuwa maji ya kutenganisha. Et cette eau là. Na hiyo maji. C'était un mélange, on devait tuer. Ilikuwa ni kuchangamana, ilibidi kuua. Cette vache rousse. Alléluia. Hiyo ngombe. Cette eau là, hiyo maji, typifiée, ilikuwa ni mfano, le sang de Jésus-Christ, mfano wa damu ya Yesu Kristo, typifiée, ni mfano, la parole de Dieu qui vous purifie, neno la Mungu ambalo linawaosha, linawatakasa, linawasafisha, dans ce bassin, ndani ya hiyo beseni, et les reins, na hiyo shaba, dans la Bible, ndani ya Biblia, dans la parole, ndani ya neno les la Mungu, reins c'est le jugement, shaba ni hukumu. Voilà pourquoi, ndio kwa maana, le ciel des reins au temps d'Élie c'était le jugement, mbingu ya shaba kwa wakati wa Elia ilikuwa ni hukumu juu ya taifa, parce qu'ils avaient rejeté Élie le prophète, walimtupilia Elia nabii. L'idolâtrie était dans le camp. Kuabudu sanamu ilikuwa ndani ya kambi. Jezebel était là. Jezebel alikuwa hapo. Avec ses faux dieux. Alikuwa na miungu yake ya Mungu. Il entraînait le peuple dans l'idolâtrie. Na kapeleka wengine waanze kuabudu miungu. Elia maudit. Sasa Elia akalaani. La bénédiction ne pouvait plus tomber. Mibaraka ingeweza tena kuanguka. Elie le prophète était rejeté. Elia nabii alikuwa akitupiliwa. Alors les cieux étaient derrière. Donc sasa mbingu ilikuwa mbingu ya shaba. La pluie ne pouvait plus tomber. Na mvua haiweza nyesha. Aucune bénédiction. Hakuna mibaraka. Les cieux étaient des reins. Mbingu ilikuwa mbingu ya shaba. Les reins ou le cuivre dans la shaba, Bible, c'est le Biblia, jugement. Ni, maana yake ni hukumu. Et la cuve des reins. Na hiyo beseni. C'est-à-dire que mon péché doit être jugé. Manake, zambi zangu zinapashwa hukumiwa. Je meurs à moi-même. Nife ndani yangu. Tous mes péchés sont jugés à l'autel. Zambi zangu zote zime hukumiwa kwenye madhabahu. Et l'autel des reins. Na hiyo madhabahu ya shaba. Et on brûle, on brûle. Wanachoma, wanaunguza. On ne brûle pas seulement la main, on laisse le pied. Abalunguze tu mkono, banaacha mugulu. Hapana. Banaunguza sadaka yote. Ama zabihu yote. Hallelujah. Amen. La coutume. Ile kikabila. Toutes ces histoires là que vous commencez à faire entrer dans le message. Hiyo mambo yote mnaanza ingiza ndani ya ujumbe. Sans honte. Bila haya. Même des chrétiens. Hata wa Kristo. À la veille, à la veille du mariage. Kumakesha ya ndoa. Ou plutôt au lendemain. Au kumakesha ya ndoa. Kesho yake ya ndoa. Tu vois même des chrétiens. Unaona hata wa Kristo. Avec des draps dehors. Wanakuwa na madraps nje. En train de danser. Wako wanacheza wakiwa na madraps. Donne le micro à quelqu'un qui est plus vite.
Quelle honte! Dans le message, les rites païens, la religion sidonienne, la religion de Jézabel, on amène ça dans le message. Il faut voir les chansons que les gens commencent à chanter parce que c'est le mariage et on oublie qu'on est chrétien. Uone manyimba wanaanza kuimba wakati jutu ndoa iko wanasahau kama ni bakristo. Oh, chez nous au Kasai, il faut que les hanches bougent. Oh, kwetu ku Kasai inabidi na tingiza kiuno. Et vous amenez cette danse même dans l'église. Na ina ma danse mnasileta na mkanisa. Voilà pourquoi vous n'avancez pas. Ona njoma na musonge mbele. Vous êtes venu à Christ, mais vous demeurez mouchi, vous demeurez mourega, vous demeurez moufuliro. Vous demeurez mukongo. Quand la femme se présente à table, les femmes doivent être à la cuisine. Ça, manamuka na kia kumezo na sasa. Manamuka banenda kanjo kumafika pana kubanaume biko. Tu veux te cacher derrière le message, c'est faux. Tu veux montrer la coutume. Parce que moi, je vais te montrer Frère Branham avec sa femme en train de manger. Au restaurant. Sœur Meda au salon avec les enfants et Frère Branham. Dada Meda au salon avec les enfants et Frère Branham. Ton message là vient d'où? La femme ne doit pas voir le salon. Oh, mon amour, qui a pas chez on a mon salon. Va dans tes casseroles. Wa kie mu masala chungu yako kule. Dans le message. Ujumbe mule. Et puis vous dites kisha mnasema frère l'évangile c'est ça. Non! Oh ndugu, ile njo injili. L'évangéliste du temps de la fin puise dans Malachi 4. Mwinjilisi wa wakati wa mwisho anashota Mumalaki 4. Ce que le prophète n'a pas dit n'est pas vrai, n'est pas la parole. Kenye nabia kusema ni kiabongo. Même si ça sonne bien. Ata inasikilikana ya mzuri. Oh, regarde la coutume, me dit ceci. Compare d'abord ça avec ce qu'a dit Frère Branham. Oh, desturi yetu ya kikabila inasema linganisha na kenye Branham. La parole de Dieu vient au prophète. Neno la Mungu linamujia ni nabii. Yes, sir. Retournons à l'ancien évangile. Turudilie injili ya wakati wa zamani. Amen. La femme parle, elle parle. Elle veut dominer, elle domine même son mari. Hey, mwanamke hapa anaanza kusema, akianza kutatarika anasema na anafikia na kumtawala mume wake. Parce que c'est une mutetela. Aseme juu yeye ni mutetela. Oh, c'est une mungala. Oh, she ni bangala. Elle ne veut pas mourir dans toutes ces choses-là. Apendi kufa mu vitu sana bibi. Comment est-ce que elle aura le Saint-Esprit? Atapata Roho Mtakatifu aye. C'est la première partie. Joyle sem ya voilà pourquoi ekalo. On ne reste pas là. On a joma na haupashwe bakia pale. C'est juste un chemin. Ni njia ya kupitia ndio. Tu remplis les conditions de cet endroit. Unamaliza zile sharti za pale. Une fois que tu es mort complètement en toi-même. Sa ulisha kufa ndani yako wewe. À l'hôtel. Kwenye madhabahu. Comme Abel qui mourut avec son agneau. Abili akafa na kondoo wake. Il bêlait en même temps que son agneau. Alikuwa akilia kilalamika kama vile kondo yake na iko nalalamika. Et il mourut là avec son agneau. Na kafa kwenye masabau na kondo. Et toi aussi tu te repens, tu pleures. Na wewe unatubu, unalia. Et tu meurs avec l'agneau. Na unakufa na kondo. C'est là qu'on comprend qu'est-ce que j'ai déjà commencé, mon Dieu. N'ayez pas honte. On a dit, est-ce qu'il y a une chance? N'ayez pas honte. Comme le pasteur a l'habitude de dire. Tu es en train d'aller à Goma, tu te retrouves déjà à Sange. Où on a été à Goma, qui est en train de se faire à Sange?
Tu rencontres quelqu'un qui te dit, tu vas où? Una kuta muta na kwambia baba, uko nenda wapi? Non, juste ici à Goma. Oh, niko nenda hapa tu Goma hapa karibu. Mais ça c'est Uvira là. Bado uko nenda ndio Fizi unataendea Fizi Uvira huko banduku. Si tu veux vraiment arriver à Goma, fais marche arrière. Kama uko napenda kweli kweli uende Goma, geuza. Wende. Allez, retourne-toi. Rudia. C'est à l'opposé. Ni munjia ingine. Ne dites pas, j'ai déjà fait 10 ans dans le message. J'ai déjà fait 20 ans dans le message. J'ai prêché longtemps. Ça ne veut rien dire. N'ayez pas honte, vous vous perdez pour rien. Un homme intelligent dira... Il faut alors que je gagne du temps. Mutu mwenye kona akili sawa na mabia iko njonje koko nenda. Oui, alors le bus qui rentre. Anageuka na kamata ingine bisi ya kurudia. Il prend le bus qui rentre dans la plaine jusqu'à Bukavu, Bukavu, peut-être le lac ou la route jusqu'à Goma. Anakamata njia ingine anarudia na gari iko narudia paka Goma. C'est Goma. Lengo yake ni nini afike Goma? Est-ce que vous comprenez cela? Naelewa ile. Si l'objectif c'est le ciel. Kama lengo ni mbingu. Ce que tu fais là, c'est contraire à l'objectif. Amen. Amen. Oh Seigneur, fais-nous comprendre ces choses. La deuxième partie. Tu traverses. On a vuk. Une autre porte. Unaingia mwingine mlango. Chaque fois la porte c'est Christ. Kila wakati mlango. Il n'y a pas deux portes. Hakuna milango mbili. La porte pour la justification c'est Christ. Mlango kwa kuhesabiwa haki ni Kristo. Neno. La porte pour la sanctification mulango kwa utakaso, c'est la parole. Ni neno. Rien ne peut te sanctifier. Wala hakuna kitu inaweza kutakasa. Pas de morale dans les caparates. Haiko hali ya kuishi, hapana kabisa. Frère, qu'est-ce que tu suis là-bas à la radio? Ao makapalata soko na jifunza mule hapana. Oh non, ça c'est pour aider les gens avec la morale, tu vois. Ndugu biko na mambo unafuata nini pala so? Unaona humu mwaima makapalata mnakuwa mafundisho. Oh regarde ces séries, ces séries des Indiens, il y a quelque chose qui vous aide à comprendre la série mariage. Sa kuko kitu mwe takusaidia kupata mafundisho gisi ya kuishi na watu. La vie du mariage. Na maisha ya ndoa. Comment vivre avec son mari? Inakufundisha namna gani utaishi na mume wako? Voilà là où les chrétiens commencent à aller chercher. Unaona sasa kwenye bakristo walishaanza enda tafutia mafundisho. Il commence à appliquer ce qu'il a vu dans le film. C'est ça, la source d'inspiration. Dans son foyer. Frère, la source d'inspiration du chrétien, c'est la parole de Dieu. Comment vivre dans le mariage? Que dit la Bible? Comment obéir au mari? Que dit la Bible? Comment aimer sa femme? Que dit la Bible? Et la Bible aujourd'hui. La Bible aujourd'hui a été éclairée par la lumière du soir. La Bible aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Tout ce qui est contraire au message n'est pas crédible. Quelle que soit la bouche du prédicateur qui l'annonce, qu'il soit un évangéliste puissant, comme ce grand homme qui est parti, Renard Bonke. C'était un grand homme. Un grand homme de Dieu. Il a rendu l'âme. Qui qu'il soit, quel que soit cet évangéliste ou cet apôtre, mwinjilisti gani, mutume gani, même s'il s'appelle prophète, ata kama naitwa, s'il ne parle pas comme William Branham aujourd'hui,
qu'il soit anathème. Kama haseme kama vile William Mario Branham leo na alainiwe. J'aimerais entendre un amen. Même si moi-même je revenais. Hata kama mimi ningerudia. Et que je dise que le message n'est plus vrai. Na niseme haseme ujumbe haiko tena kweli. Que Dieu m'a révélé dans ma chambre autre chose. Haseme Mungu alinifunulia mchumba yangu mambo mengine. Na nilaidiwe. Paul dit, même si un ange du ciel. Paulo anasema hata malaika wa mbingu. Mon fils. Oh, mwana wangu. Je viens te révéler. Nitakufunulia mambo. C'est maintenant toi. Na ni kwako tu wewe. Tu viens succéder à William. Wewe ndo Wewe ndo kisha William Branham. Qu'il soit. Parce que dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, il y a cette étoile. Mumukono ya kuume ya yule ambaye alikuwa anaikala kuenzi kulikuwa tu nyota saba. Paul, Irene, Martin, Colomba, Luther, Wesley. Abraham. Kulipo Martin, Paulo, et William Branham, sept seulement. Martin Colomba, et Martin, toi, qui es-tu? Na Branham. Sasa où viens-tu? Wewe uko nani? Naona tokea wapi? Frère Branham dit, après moi, ce message continuera à vivre. Ndugu Branham anasema, kisha mie, hii ujumbe itaendelea kuishi. Est-ce que ce message ne vit pas? Inaishi. Et d'ailleurs la Bible dit dans Apocalypse 10 au jour de la voix du septième ange on ne dit pas au jour du septième ange. Parce que si on disait au jour du septième ange, wangelisema kusiku ya malaika wa saba, après la mort de Frère Branham, il devrait y avoir quelqu'un d'autre. Kisha kifo ya ndugu Branham, mais on dit au jour de la voix. Lakini wanasema kusiku ya sauti. Est-ce que nous avons la voix du septième ange? Je tuna sauti ya malaika wa saba. Faites vibrer un peu la voix du septième ange là-haut. Mugonge kwanza sauti ya malaika wa saba pale. Faites vibrer ça très fort. Mugonge pale sauti kubwa tu. Il n'y a personne là? Hakuna mtu pale mukabine. Nous sommes dans la chair de William Branham. Comme les gens se tenaient dans la chair de Moïse. Et ils disaient, Moïse a dit, au temps de Paul, les gens disaient, Paul a dit, Paul a dit, Paul a dit. Paul a dit, Paul a dit. Aujourd'hui, les ministres doivent dire, Branham a dit. Maintenant, prêtez attention à tout ce message. Et quand vous écouterez la bande, peut-être même que je serai parti un jour, quand le Seigneur n'aura plus besoin de moi ici sur terre. Vous vous référerez à cela. Listen to my voice, what I'm telling you. If he takes me before he's coming, just remember, I spoke to you in the name of the Lord, by the word of the Lord. Yes. Écoutez ma voix, ce que je suis en train de vous dire. S'il me prend avant sa venue, souvenez-vous bien, je vous ai parlé au nom du Seigneur, par la parole du Seigneur. Oui. Ah!
magasiné. Maintenant, nous les avons sous forme de brochures et de bandes. Ce sont ces enseignements-là qui amènent l'épouse à la perfection. Ce sont ces enseignements qui vous font passer de la justification à la sanctification. De la sanctification au baptême du Saint-Esprit. Et vous font marcher dans l'adoption. Écoutez ce qu'il dit ici. 149. Il dit, chaque personne entend et reçoit ce que le messager a déjà reçu de Dieu. Kila mtu anasikiliza kile kenye mjumbe alishapokea kutoka Mungu. Il entend et reçoit. Anasikia na anapokea kile ambacho mjumbe amekwisha kupokea kutoka Mungu. Amen. C'est l'exacte vérité. Retournez à la voie. Retournez. Parce que tel l'a dit, ça devient vrai. Non. Il y a trois choses que Dieu a exigées. D'abord, la divinité commence déjà à se montrer là-bas. Kwanja pale, uungu inaanza onekana. Parce que tout devait être peint en or. Jubiote bebiko mwa ile chumba ilibidi bipakaliwe ako dhahabu. Le chandelier devait être en or pur. Kinara ilipasha kuwa ndani ya dhahabu safi. Or, l'or c'est la divinité. Japo dhahabu inamaanisha uungu. On commence déjà à voir la divinité là-bas. Unaanza ona uungu pale tayari. Et le chandelier n'avait que sept lampes. Na kinara ilikuwa na taa saba. Pas 8. Apana nane. 7 lampes. Ta saba. Maintenant la fête, sasa la nourriture. Karamu, chakula, mbichi mbichi kabisa. Qui n'est pas avarié. Enye hayakuwa périmé, hayakufa yaoza. La manne fraîche là où il y a pas d'asticots. Mana enye ingali kabisa pale pale amuyangiamo minyole. C'est le message de Frère Branham. Ni ujumbe ya William Branham. Rien que ce message. Ni ujumbe, hakuna kitu kingine kwa tu ujumbe. Oh frère, vous voulez être sectariste? Non. Oh ndugu, natafuta kuwa mtu. Même Paul avait dit, je sers mon Dieu par la voix que les gens appellent secte. Paulo akasema, mimi namtumikia Mungu kwa ile njia yenye watu wanaita mafarakano. Dieu c'est un séparatiste. Mungu yeye anatenganishaka. Ah, il sépara Lot et Abraham. Akamtenganisha Lot na Ibrahim. Il sépara la lumière de ténèbres. Akatenganisha giza na nuru. Il sépare. Il kutenganisha le jour et la nuit. Muchana na usiku. Il sépare toujours son église de l'incrédulité. Tenganisha kanisa lake na kutokuamini. Amen. Amen. Et il nous sépare de la dénomination. Na natutenganisha na dhehebu. Gloire à Jésus-Christ. Jésus-Christ. À l'intérieur là-bas. Moule nani, moule. Moïse avait bien vu la vision. Moussa Liona Bezalel a bien reproduit les choses. Akaichapa vizuri. Là, il y avait ce kinara. Ce chandelier d'or. Pale kulikuwa kinara cha dhahabu. Il y avait de l'huile d'olive. Mulikuwa futa ya qu'on devait rajouter. Ilibidi waongeze. Il fallait que l'huile soit toujours à l'intérieur. Ilibidi mafuta iwe tu kila wakati. La lampe devait rester allumée le jour comme la nuit. Ile tala ilipasha inawaka busiku sa mchana. Ça ne devrait jamais être éteint. Ilipasha kuzimika kamwe. Kamwe. Alléluia. Il y avait une table. Pale où il y avait deux rangées de pains. 12 pains. Mistari mbili ya mikate, 12. Montrant les 12 tribus d'Israël. Ikionesha 12 ya Israël. Il y avait des pains de proposition. Na kulikuwa hiyo mkate ya matayarisho. Ce sont des pains sans levain. Ni mikate bila chachu. Il a fallu Malachi 4 pour que nous comprenions le sens de tout. Il tupate Malachi 4 ndio tuelewe maana ya kila kitu. Il devait donc manger
le pain sans levain. C'est-à-dire le message de son temps. C'est ma ujumbe wakati wake. À la lumière du messager. Naki. Pata nuru ya mujumbe. Il lit la Bible. Soma Biblia. Selon l'interprétation du message. Kufatana na matafsiri ya mujumbe. Pour arriver à la sanctification. Zudifike utakaso. Mais il ne s'arrête pas à ça. Lakini asimamie kwa ile. Des fois nous nous arrêtons à ça, nous lisons. Mara kwa mara tunasimamia pale tunasoma. Nous lisons les brochures. Kitabu. Nous écoutons peut-être les bandes. Au tunasikiliza tepi. Mais nous oublions l'autel des parfums. Lakini unasahabu madhabahu ya marashi. Et l'autel des parfums c'est la prière. Madhabahu ya marashi ni maombi. Et l'église a oublié la prière. Na kanisa imesahau maombi. Or la prière c'est la plus grande force. Japo maombi ni nguvu kubwa. La plus grande arme que Dieu ait placée dans la main d'un homme c'est la prière. Ni kombora kubwa ambayo Mungu ameweka mumikono ya mwanadamu. La prière peut changer les circonstances. Maombi inaweza kubadilisha matukio. La prière change même la pensée de Dieu. Maombi inabadilisha hata na mawazo ya Mungu. Oui. Dio. Ezekias devait mourir. Ezekias ilibidi akufe. Mais sa prière a convaincu Dieu. Lakini ombi yake ikamhakikishia Mungu. Et nous oublions la prière. Na tunasahau. Vous verrez que ce sont les pentecôtistes qui prient plus. Dans le message les gens ne prient pas. Wa pentecôtistes wanaomba sana ndani ya ujumbe banasahau maombi. Ils pensent que c'est pentecôtiste. Non, c'est pour vous. Banawaza sema kuomba sana ni ya kipentecôtiste ni vyanu bienu. Les jeunes c'est pour nous. Kufunga ni kwetu. De veiller c'est pour nous. Makesha ni yetu. La prière c'est pour nous. Maombi ni yetu. Tu peux te mettre là à genoux, tu restes là. Unaweza ingia kumagoti unabakia pale. Et la nuit passe. Na usiku inapita. Que Dieu nous donne cette force là. Mungu atupatie ile nguvu. Frère Branham a dit. Ndugu Branham anasema. Les États-Unis sont ce qu'elles sont, ce sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Shirikisho la America liko leo kwenye kiko. Parce qu'ils ont eu des gens comme Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Wamepata mtu comme Washington. Abraham Lincoln. Comme George Washington. Des gens qui priaient. Watu ambao walikuwa naomba. Ils se mettaient à genoux, ils priaient. Et ils oubliaient tout. Jusqu'à entrer en communion avec Dieu. Mais aujourd'hui, des prières type maison. Lakini leo ilishakuwa maombi ya mifano. Merci Seigneur, tu nous as gardé. Maintenant c'est le soir, Seigneur, nous allons dormir. Béni papa, béni maman. Béni maman, béni maman. Béni la famille. 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 Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne nuit. Ouais, vous l'allez bien, vous l'allez bien, vous l'allez bien. Et ça, c'est prier ça. Il m'a dit le quoi. C'est une récitation. Il est quoi, récitation. Même la prière en famille. Ata maombi ya jamaa. Ça doit être un culte. Inapasha kuwa kukusanyika. Où le cinquième évangile s'exprime. Pale kwenye injili ya tano inasema. Là tu prends ta Bible, tu prêches. Mama unakamata Biblia yako unahubiri watoto. Prenez tout votre temps. Jipe wakati. Éteignez, ne mettez pas de pause. Éteignez. Apana kutia pause kutelekomande. Zimisha njo, chomola na kuchomola. Même vos téléphones éteignez. Ya lazima hata na matelefoni munazimisha. Dans vos grandes réunions, vous laissez le téléphone au secrétariat, n'est-ce pas? Si muma réunion za kabambi kabambi munachaka matelefoni ku secrétariat. Mais attendez, priez. Lakini uko naomba tele 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 message, SMS. Bwana bwana kutumia SMS. Ah, santa Yesu, ça c'est moquer de Dieu. Bon, ça. Ce n'est pas prier ça. Il a eu kuomba. La prière c'est une consécration. Maombi ni kuweka wakfu. Jusqu'à ce que le contact soit établi. Akagisi unapata uhusiano. Tu es là. Uko pale. Tu restes là. Unadumu. De manière que parfois tu ne sais même plus ce que tu es en train de dire. Tu continues, et l'onction ne fait que monter, 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 monter. C'est là que les miracles se produisent. Les visions apparaissent.
Aujourd'hui, les accidents nous surprennent. Leo majali natushitula. Parce que nous ne prions plus. Dieu a tombé que t'es. Nous avons laissé ça aux pentecôtistes. Tu m'as dit wanani wa pentecôtistes. Quand frère Branham montait sur la montagne, vous pensez que c'était quoi? Sandu Branham alikuwa anapanda kumlima unaanza ilikuwa nini? Il y reste. Anaibaki. Il a sa grotte à lui là-bas. Alikuwa na yake pengo kwenye alikuwa anabaki. Il prie. Anaomba. Oh, quand je suis arrivé au troisième jour, Dieu me dit. Kisha nasikia nakwambia aseme siku nilifika kusiku ya tatu Mungu akaniambia. Donc le premier jour Dieu s'est tu. Kusema siku ya kwanza Mungu akanyamaza. Vous avez prié un peu, juste cinq minutes après, il n'y a rien, je ne sens rien. Qui t'a dit que c'est ça prier? Unaomba tu dakika tano, kisho na sasa, misi kusikia kitu, si kusikia kitu. Njua likuambia seme uliomba basi. Tu dis à la bouche, tu es fermé. Unaambia kinywa, mimi nakufunga, wewe unafunga. Estomac reste calme. Estomac, tulia pale. J'ai une requête. Niko na itaji yangu. Je veux la réponse. Mimi napenda itaji ijibiwe. Et je veux avoir la réponse. Na nataka nipate jibu. C'est là que le corps tu sens que vraiment tu as besoin de boire. Pale ndio unasikia hata na mwili unahitaji ukunywe. Oh frère Branham, quand vous avez faim, faut manger. Ndugu Branham anasema c'est comme unasikia njala ukule. Ailleurs, il vous dit encore. Fasi ngisema tena. Vous pouvez avoir faim quand vous voulez jeûner, c'est le diable. Unakiwa unasema ndugu Branham anasema ukishasikia njala sio unatafunga kule wazi. Sasa anasema unaweza kia njala kule ni shetani. Je ne un peu là. Unatafunga tu hivi unasikia ema. C'est là que tu sens qu'il faut manger. Pale tu unasikia il faut na kula. Topa uya hakuna bilisha fanya. Fais taire ça. Nyamazisha ile njala. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Reste calme. Baki akimya lwa. Je n'ai pas encore atteint l'objectif. Useme siafikia lengo langu. Mais je vous dis la vérité. Si mina babia kweli. C'est ça le secret de la victoire. Dieu siri ya ushindi ile. Qu'on ne vous trompe pas. Basikulande basikudanganye. Le secret de l'onction. Siri ya upako njo ile. C'est la consécration. Ni kujiweka kufu. Ça vous empêche même de penser au mal. Wakati unajiweka wakfu inakuzuia hata kuwaza mabaya. Comment tu vas percer alors que tu as la haine? Aye ton tatobola mbingu. Ça t'empêche d'avoir la chuki. Ile itakuzuia kuchukia ndugu. Ça t'empêche d'avoir la rancœur. Amen. Inakuzuia kuchunga mzizi ya kasirani. Tu sens qu'il faut pardonner pour être pardonné. Unasikia kwani inakubidi wewe usamehe kusudi usamehewe. Et alors tu peux monter. Pale unaweza anza panda sasa. Viwango. Tu dois rester sous l'effet de la prière. Inabidi unabakia chini ya moto hali ya maombi. Est-ce que vous avez suivi? Munafata. Quand tu es sous l'effet de la prière, wakati uko chini ya tukio la maombi. Et tu as un mauvais mari. Na uko na bwana wa mbaya. Il arrive. Dada anakuya. Yoka. Tous les démons de l'enfer sur lui. Anakia na beba mizigo ya mapepo yote ya kuzimu. Donne des coups au casserole. Anafuta na piga piga mipasi machungu. Peut-être il a déjà pris un verre. Yaweze kisha piga machupa muki. Ou quelques whisky qu'il a déjà englouti dans son esprit. Alisha panga machupa mukicho pale. Les yeux sont rouges. Na macho chakwa mkundu hivi. Approche-toi ici, toi, idiote. Ouais, kapumbafu, kuya hapa. Et tu n'es pas sous l'effet de la prière. Na wewe hauko chini ya uvuvio wa maombi. Mais cet homme-là aura de quoi de quoi se chauffer. Ule mtu atapata vya atajichemsha hapo. Tu as dit quoi? Moi idiote. Unasema urudilie kwa ile kinyo unasema mimi mie pumba. Leo si imperine. Na mimi niko na baba, siko na nizoea na mimi niko na baba. Ne faut pas jouer avec moi. Usicheze na mimi nilizaliwaka. Tu vas le regretter. Hein? Mina kuambia uta regretter. Les voisins sont en train d'enregistrer. Na bajirani biko na nasa mambo ko nasema. Aseme njo. Pourquoi? Juu ya nini? Mais si tu restais à genoux. Lakini kama ungelikuwa unabakia kwa magoti. Comme Rebecca la femme de Zachée. Kama Rebecca mke wa Zakayo. Frère Branham parle de Rebecca la femme de
Ndugu Branham anaongea juu ya Rebeka mke wa Zakayo. Elle est restée à genoux. Alibakia kumagoni. Seigneur. Bwana. Fais que mon mari rencontre Jésus. Fanya ya kwamba bwanangu akutanane na Yesu. Eh hey, Rebeka, je pars. Ah, Rebeka mimi naenda lwangu. Oui chérie. Dieu chérie, wen... que Dieu bénisse ta journée. Mungu akubariki mchana yote. Elle est gentille. Iko mwema. Avec son sourire. Na natabasamu. En fait, la femme c'est le sourire. Amuna habari, mwanamke ni kucheka, ni kicheko. C'est la partie douce. Mwanamke njo ile hali ya upole. Frère Branham dit, quand l'homme est fatigué et renté, quand il rencontre une femme douce, propre. Mwanaume anatoka mukazi anajichokea lwake. Kikutanana na mwanamke mupole, musafi. Le patron a tourné sur lui peut-être. Bwana mkubwa mukazi labda alitombokea kujua. Mais il a... Lakini anafika kwake kunyumba. Cette princesse. Anakutanana na ule malikia. Cette reine. Uyo malikia. Avec son sourire. Na iko anacheka, anatabasamu tena safi. Chérie. Anamuita mupenzi. Il y a des choses que le Saint-Esprit ne va pas faire. Amen. Kuko vitu venye Roho Mtakatifu apashe fanya. C'est toi qui dois le faire. Wewe ndio unapasha bifanye. Et la Bible est claire là-dessus. Na Biblia iko pale. Une femme insensée détruit son foyer de ses propres mains. Biblia inasema aye, mwanamke mpumbavu huharibu nyumba yake mwenyewe na mikono yake. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau, chérie? Chérie, mina yeza pata maya kunywa. Est-ce que tu ne connais pas là où il y a le verre? Unatase ma vile joa uye kwe mavere zina kwa komu. Eh, ma we. L'homme, oh mon Dieu. Bwana, nasikia vasi, mina kufio hukumio avati. S'il est un peu chrétien, il se calme. Bwana, avatu, kama iku atava sika mkristo kadogo, ananyamanza kwanji. Seigneur, c'est une épreuve. Ah, bwana, si kipimo hii kabisa. Kipimo hii. Aide-moi à vaincre. Unisaidia nishinde, nishinde. Mais si lui aussi est à l'extérieur. Sasa, kama ole bwana na iko inja, angali inja ya kia. Qu'est-ce que tu as dit? Kunizoya, unatasema nini? Il enlève la ceinture. Anatosha kwa sentire mukawe na toka. Na kunyuka. Tu apprendras. Na kuonesha, na kufundisha adabu weye. Des foyers de frères, il se bat. Munyumba abandu, ba frère en Christ, viko na pigana. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Amubionake. Nous avons abandonné l'évangile. Tumeacha injili. Retournons à l'ancien évangile. Turudilie injili ya zamani. Alléluia! Je mange le pain sans levain. Nakula mukate bila chachu. La parole pure. Neno safi. Tel que Dieu l'a dit au prophète. Jinsi Mungu aliyapa. En répétant fidèlement les bandes. Kunukulu kwa uaminifu tepi. Amen. Amen. Pas une seule citation, mais l'ensemble des citations. Apana citation musemo moya tu masemi yote. Vous prenez toute la parole. Unakamata neno lote. Vous obéissez au message. Unati ujumbe. Vous restez sous la lumière du messager. Unabakia chini ya nuru ya mujumbe. Et vous êtes là. Na uko pale kwenye madhabahu ya parfum. Marashi. Car la prière. Kwa kuwa maombi. Des saints, c'est un parfum de bonne odeur devant Dieu. Ni marashi ya arufu nzuri. C'est ce que dit la Bible. C'est là que Zacharie était quand l'ange Gabriel était venu. Nipale Zacharie alikuwa wakati malaika Gabriel alimfikia. Il était à genoux. Alikuwa kwenye magoti. À l'hôtel de parfum. Kwenye madhabahu ya marashi. C'est là que nous avons failli. Nipale sisi tumekosea. Nous voulons des miracles. Tunapenda miujiza. Mais ne voulons pas connaître comment y arriver. Lakini atupendi tujue namna gani tuifikia. Et nous les donnons à quelques personnes. Jo sasa tunasema alors que chaque croyant. Unasema ni abatu fulani japo kila muamini. Chaque croyant. Kila muamini. A le pouvoir. Anaweza.
La même puissance était donnée à tous les croyants. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Yesu akasema, oneni miujiza itakayofuatana na wale watakaoamini. Amen. Amen. Frère. Dugu. Corneille n'avait pas la chose. Cornelia kukua na ile jambo. Mais il avait la prière. Lakini alikuwa na maombi. Il s'est mis à genoux. Akaingia kwa magoti. Il a arrangé sa vie. Atengeneza maisha yake. Il a mis toute sa maison en ordre. Akaweka nyumba yake. Il a commencé à prier, maombi, et il est resté dans la prière. Akabaki ndani ya maombi. Sa prière. Ombi lake. A tellement bougé Dieu. Ikatikisa Mungu. Dis mais. C'est ma Evo. Je suis là chez lui. Je le vois, mais. Niko, kwa c'est Pierre qui a la clé. Petro njeko na fungulo. Parce qu'il a déjà donné la clé à l'église. Chapa na fungulo kwa kanisa. Il a dit à Pierre. Mambia Petro. Réveille-toi. Eh, hey, Petro, simama, simama. La regarde. Angali. Va chez Corneille. Wende kwa Corneille. Nous avons oublié l'essentiel. Tumesahau cha muhimu. Quand ça ne marche pas, wakati abitembeye, amenez le problème à genoux. Amen. Leta shida kumagoti. Tu penses que Jésus c'est un sadique qui ne comprend pas. Kweli unawaza Yesu kabisa ni mtu mwenye anafungaka tu roho hizi sikia kweli. C'est vrai, il vient à son temps, mais il comprend et il compatit. Dio ni kweli Yesu anakuja kwa wakati wake, lakini anaelewa na anakia shiriki kumagumu yako. Et il veut voir si tu vas persévérer. Amen. Na anapenda aone kama utadumu. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne persévèrent pas. Lakini leo wa Kristo hawakankamane, hawadumu. Pas de prière. Hakuna maombi. Les Américains vous envoient des films, des films et des films. Jo America sasa wanawamwangia lundo ya mafilamu. Si on dit éteigner, on veut prier. Bakisema tose muzimishe tunataomba. Pale una kungoroma ndo zinaingia. Amen, amen. Bakisema amina, ya musimisi naruka tuendeleshe episode. Toute la nuit le film. Busiku yote alikuwa anafuata filme. Le mari va au travail avec un fufu, il s'est assis dessus. Bwana anatoka na munyumba anaenda na bugali kupantalo. Jua likala mu bugali mukiti. Wa una kwa bana. Sa femme n'a pas su comment contrôler son. Bibi akuyua kuchunguza bwanake akukua kwa bibi. Les enfants salent avec la morve et ils vont à l'école avec les cheveux non peignés. Batoto biko nenda buchafu ku masomo, makamasi kupua na manyele nya ichanuliwe. Et le diable est rusé qu'il est, il a inventé le téléphone. Mujanja wa shetani akatengeneza na simu sasa. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ile ni muti ya ujuzi ya mabaya na mema. Mais si vous ne savez pas choisir le bien. Sasa kama unajua kuchagua mazuri. Le mal est là. Eh, mabaya iko pale. The smartphone. Ah, smartphone. Android. Na ma Android sijue nini. Ça vous donne toutes les options. Inakupatia ma option zote. Et quand tu penses que personne ne te voit. Sasa uko na wazia sasa kuna mwanakuona. Du porno. Unaanza fata kwanja porno nayo. On se demande s'il a la diarrhée, il a traîné même à la toilette. Et unajiuliza, baba alifone. Unajiuliza baba alikuwa na luharo au kumbe alishakawia kuguesa iko nafuata ndio filme mu telefone. Et à la cuisine, tu n'importe quoi. Je ne sais pas, la sauce n'a aucun goût. Uko naenda na kumafiga nako una sababu ya kupika juu ya telefone. Unaanza kula chakula haina taonjo. Eh, bana wenda selfie. Selfie. L'adultère ne commence pas seulement par des actes. Non, même un SMS. Washerati ama uzinzi aianzake kutendo. Atana kuwe SMS ya telefone. La femme d'autrui, à 22h, 23h, tu lui envoies un petit message. Tu me manques. Mwanamuke tu wabatu, saine ya busiku, satane ya busiku, unamwandikia se, kweli unanikosa. Oh, je ne vais pas écrire. Oh, mie sipendi andika. Il envoie un gros bisou. Pouah! Anatuma tu kunani, lu bisou, lu moi, vu la photo. Piou! Tu vois comment le diable est rusé. On en a qui se chétane qu'on a tumika. Frère Branham dit, montrez-moi ce que vous regardez. Dugu Branham anasema hivi, nioneshe venye unaangaliaka.
Ce que vous écoutez. Benye unapenda usikie. Et je vous dirai avec exactitude. Na nitakwambia kabisa kabisa. Quel est l'esprit qui vous anime? Roga niko na wewe. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Amen. Ona njomana Roho Mtakatifu alipewa. Pour que les humains puissent arriver à vaincre ces choses. Roho Mtakatifu alipewa kusudi wanadamu nao washinde ile mambo. Frère Branham le dit. Duke Branham anaisema. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Qui a nini Roho Mtakatifu alipewa? Il dit le Saint-Esprit vient en vous. Roho Mtakatifu anakuya ndani yako. Pour ôter de vous tous ces je ne peux pas. Atoshe ndani yako vile vya kusema sitaweza. C'est vrai. Pour faire que les femmes arrêtent de se couper les cheveux. Aujourd'hui, c'est la soude caustique qui coupe tout. Leo ni ma produit nje ko na bakata byote. Et vous ne voulez pas qu'on en parle. Na mupende tubiseme. Mais tu avais les cheveux, la soude caustique a tout enlevé. Suli kwa na nyele ukapitisha ma produit ya soude caustique, il tocha zote. Ce n'est pas différent des ciseaux. Na kupitisha amo ciseaux. Ce n'est pas différent des rasoirs. Aiko tofauti na kupitisha wembe. Et la Bible dit que ton mari a le droit de te répudier. Habari. Biblia inasema kama bwanako yuko na haki ya kukufukuza. Parce que ça montre que tu n'es pas sous l'autorité d'un homme. Jule inaonesha ya kwamba hauko chini ya mamlaka ya mwanaume. Oh, je ne suis qu'une fille. Alors Jésus c'est un homme, non? C'est lui ton mari. Ça, la parole c'est ton mari. Chasse. Oh, niko binti, ningali fie wa mwetu. Sasa, Yesu haiko mwanako. Na ni neno. Pastora, tulamukia ako leo. Hey! Leo, pastora, tulamukia goshe kwe. C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Il vient ôter les je ne peux pas. Roho Mtakatifu anakia ondoa vile vya kusema sitaweza. Pour faire que les femmes arrêtent de se couper les cheveux. Ashimamishe wanawake waache kukata nywele zao. Pour les faire arrêter de porter des shorts et des pantalons. Anashimamisha wanawake kuvala manguo fupi na masuruali. Pas d'excuse. Hakuna msamaha pale. Pour les faire arrêter leur commérage. Anashimamisha ile kutetana kabwa bwa. Moi je suis de nature à beaucoup parler hein. Mimi na kwaka tu na maumbile ya kusema sema sana. Mimi nasema tu sana. Ndio vile mimi na kwako. Eh, moi quand je parle hein. Eh, mimi nikisema niseme, mimi nasemaka. Tu ne l'as pas encore. Au ya mupata. Tu injures les gens, oh, moi je parle. Uko natukana watu wase mimi nasemaka. Kweli. C'est ma nature. Njofile tu mina kuwaka. Tu n'es pas passé par l'hôtel de Rennes. Hauyapita kwenye mazabahu ya shaba. Tu n'as pas brûlé là-bas. Hauyalunguza sadaka. Tu es encore dehors. Ungali nje. Très loin même de la tente. Tena kwanja mbali mbali na hekalu ya kusanyiko. Dans le désert. Mujangwa kule. Arrête, continuons. Tunaendelea. Pour les faire arrêter leur commérage. Ishimamishe wale wanawake kusema na kutetana. Même des frères commencent aussi à faire ces commérages. Ya kushangaza leo na wanaume nao walisha kuwa bakutetana. Oh oui. Ndio. C'est à ça qu'il sert. Jo kazi yake ile. Savez, aujourd'hui je voulais prêcher sur la foi. Leo nilikuwa napenda nihubiri yangu kwa imani. Monter. Nipande we. Comment nous pouvons être magnétisés? Namna gani tunaweza tiwa smako ya na imani? Je méditais là-dessus. Niko natafakari kwa ile. Je me suis un peu allongé. Na jinyorosha kidogo. Je me vois, je suis un pilote. Mimi najiona niko naongoza. Ninaoza. Naongoza ndege. Je suis un pilote d'avion. Naongoza ndege. Mais c'était vraiment un gros avion très joli, très beau. Il dit quoi? Ndege kabambi tena nzuri sana. Comme une sorte de Boeing. Il quoi comme vile Boeing. Et j'étais vraiment expérimenté avec mon avion. Na kabisa nilikuwa mimi na bijua bien bien ya kuongoza ndege. Et puis une voix est sortie de tout de la tour de contrôle. Sasa sauti katoka kule ku tour de contrôle. Ne rallume pas ce moteur.
Usiwakishe ile motere. Regarde tout autour de l'appareil, la piste est bouchée. Angalia kando kando ya ile chombo uko nayo, piste inatiwa kwa uchafu. Quand j'ai regardé, c'était plein de saleté. Nikaona na ile uchafu sana. Il dit, il faut d'abord que cette saleté sorte pour que tu puisses partir et décoller. Inabidi kwanza ile uchafu itoke kusudi ndege ipite. Et j'avais vu des gens qui me regardaient avec dédain comme est-ce que celui-ci peut conduire cet avion. Nikaona watu wako wananiangalia kama vile na mazarau kusema huyu anaweza ongoza hii ndege. Tu as des gens pareils qui doutent de toi. Uko na watu sana wale ambao wanakushakia kwanza. Et d'autres qui vivent dans le péché. Na wengine wanaishi. Et même les péchés de la loi. Ndani ya zambi tena zambi za Torati. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Kasema bwana nini? J'ai changé de sujet. Badilisha na kidi. J'ai changé de sujet. Nikabadilisha na kidi. Comment on va mettre l'huile sur la saleté? Aende utapakala mafuta kumwili yenyewe yanawa. C'est à ça que sert le Saint-Esprit. Jo kazi ya Roho Mtakatifu ile. Amen. La tour de contrôle a déjà vu. Tour de contrôle ilikuwa ilishaona. Une femme qui dirait, il fait vraiment trop chaud. Il faut absolument que je porte ça. Ça me donne mal à la tête quand je me laisse pousser les cheveux. Mais il n'y a pas d'excuse avec le Saint-Esprit. Il est là pour mettre ça en application. Roho Mtakatifu iko pale kusudi ya kutia ile mkazi. Il suivra la parole à la lettre. Atafatana na neno gisi inasema. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Ona kazi ya Roho Mtakatifu. Suivre la parole à la lettre. Kufata neno gisi inasema. Il sert à vous faire arrêter de fumer. Roho Mtakatifu kazi yake ni kukushimamisha usivute tena. Il y en a qui fument encore. Kungali wenye wangali wanavuta hapa. Tu t'approches du frère, mais unakaribia ndugu kwa nasikia hewa mawe. Hewa tu. C'est quoi ça? Ni kwa ye hapa. C'est un nouveau parfum. Ni parfum mupya ilitoka au. C'est un fumeur. Yeye anavuta. Et après shingo. Kisha baadaye anakamata bazokanya anatia mkinyo. Shalom frère. Shalom frère. Shalom frère. Shalom frère. C'est devenu l'identité. Et il chaque fois identité il est. Shalom frère. Oh shalom frère. Roma ça. Il parle. Ça n'a sema ça oh, après non, shalom. C'était juste du carcazok. Oh ndugu nilikunya carcazoki. D'autres un peu de coca plus un peu de whisky mélangé. Mwingine anakamata coca ndio anachanga mo whisky. Sasa unaona unasema coca hii ndugu iko akunywa. Dans le bureau là il y a une bouteille. Mu office mule muko kachupa kake. Sur la table vous voyez le coca. Kumeza unaona ni coca hii kabisa coca cola banaandika mzuri. Vous trompez les hommes, mais il y a un œil qui voit tout. Uko na chikaza unadanganya watu lakini kuko licho inaona vyote. Jésus te voit. Yesu uko na kuona. Il dit regarde-moi cet imbécile. C'est vraiment un idiot. Mbona huyu il pense que je ne vois pas. Anaanza sione. Le jeu de l'autruche. Inakuwa sa mchezo ya ile ndege ya mjangwa Autriche. Comme ça que l'autruche fait. Vile ndio ile ndege inafanya. Quand il voit les gens venir. Ça inaona watu wanakuja. Prend sa tête. Anakamata tu kichwa yake yo peke anaidumbukiza mchanga. Boom. Mwili yote nabakia nje. Comme je ne vois rien. Kisi mimi sione kitu. Donc personne. Manake hakuna mwananiona. Tout le reste est dehors. Japo mwili yote yake iko nje yote. Na anafuchika tu sura. Amen. Jésus te voit. Yesu iko anakuona. Il sert à vous faire arrêter de boire. Roho Mtakatifu kazi yake ni kukushimamisha kukunywa pombe.
il y en a qui boivent encore. Ne mentez pas. C'est vrai. C'est parce que vous mentez. Voilà pourquoi vous ne guérissez pas. C'est un démon en vous. Moi j'ai aimé ce frère courageux qui est venu me voir. Pasteur, moi j'ai cru. Mais j'ai toujours le désir d'homosexualité. C'est à moi. Je combats ça, mais... C'est vrai. Quelli? La sortie des photos. A katosha ma picha. Où il s'habille vraiment comme une fille. Kwenye anavala unaona unaanza sasa dada kabisa wa kuenea. Oh. Eh? Je le regarde. Nikamwangalia. Au fait c'est lui. Ndio lakini anafanana nani? J'ai commencé à prier pour lui. Au nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo. Les démons criaient. Pepo zililalamia. Amen. Je pars. Binaenda. Ce n'est pas toi, c'est le diable en toi. Haiko weye, ni shetani mweye. Et il y en a qui sont plein de ces esprits ici. Na wengi wanaja hiyo maroivu. Un seul homme avec 2000 démons. Sorry. Un homme avec 2000 démons. Unaona mtu mmoja na mapepo 2000. Aye. Et il marche sur la. Na iko natembea tu ku dunia kawaida. Dieu veut occuper cette place-là. Mungu njo penda kamata ile fasi. Mais toi, tu veux garder le secret du diable. Wewe uko napenda njo uchunge siri ya shetani. Sois ouvert. Jiache wazi. Tu as avorté un secret. Ulitoa mimba musiri. Tu as menti que c'était des règles. Ukasema bongo aseme ulikuwa kuona mwezi. Dieu t'a vu. Mungu alikuona. Dans ton cœur, tu sais que tu as menti. Tena mumoyo wako unajua mzuri kama ulisema bongo. J'ai déjà 4 enfants. Nishakuwa na watoto 4. Même Dieu comprendra qu'il faut que je protège mon corps. Ata Mungu nasi ataelewa kama inabidi mimi nachunga mwili wangu. Tu as tué. Uliua. Tu n'es pas différente de celle qui a pris un couteau et qui a poignardé quelqu'un. Na ule tu es une tueuse. Et mwanamu. Tu ne vas pas faire taire ta conscience. Na zamiri yako, voilà pourquoi tu fais des cauchemars. Na mbaya. Et je touche quelque part. Aha, nimegusa fasi jamani. Quelqu'un se sent déjà concerné. Mtu mwana jisikia na usika. Il sert à vous, il ôte de vous de vouloir être une grosse légume. Roho Mtakatifu anakia ondoa ndani yako ile hali ya kupenda kujisikia wa zaidi ya juu ya wote. C'est moi. Bila mimi hapa. En fait, c'est moi la personne importante ici. Mimi ndio mtu wa muhimu hapa. Si je quitte mes bases, fini. Nikitoka hapa maraki vitu vinaharibika. Tu n'as pas encore la chose. Hauyapokea Roho Mtakatifu. Ça ôtera ça de vous. Itatosha ile muweye. Le Saint-Esprit. Rome Takatifu. Ça va ôter cette sentiment. Ataongola ile nia kuiongola. Ça vous rend humble. Inakufanya munyenyekevu. Quand vous ferez ça, wakati voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Ona kazi ya Rome il sert à produire une vie sainte. Amen. Rome Takatifu kazi yake ni kuongoza maisha takatifu. Ça produit une vie. Inazaa maisha uzima. Frère, vous ne forcez pas la chrétienne. Ndugu, ukristo haiko vya kukaza kaza. C'est automatique. Ni inajileta bio peke. Comme quand vous respirez là. Niko saki si wakati uko napumua. Est-ce que ce n'est pas automatique? Si inajileta tu bio peke kupumua tu kawaida. Oh Jésus. Est-ce que vous savez que votre cœur bat à 100 plus ou moins 80,
plus ou moins, donc disons 80 plus ou moins 20 à chaque minute. C'est Dieu qui s'en a facilité. Munajua kama moyo wenu inagonga kama mara 18 kwa seconde, chini ya seconde moja. Par minute? Kwa dakika moja. Juste une minute. Dakika moja. 80 battements. Inagonga mara 18. Donc de 60 à 100, c'est ça la normalité. Et vous ne savez même pas. Vous ne sentez pas. Na hautasikia kitu. Japo kuna piga piga. C'est automatique. Ni yo yenyewe inajibeba. Quand ça monte à 120, ça inaanza panda ku 120 palpitations. Eh, inakuwa kama roho inapupa. Quelque chose ne marche kuko pas. Kitu akiendeki. Parce que Dieu a placé des limites. Dieu Mungu aliweka mipaka pale. Pour que le cœur ne batte qu'à 60, hein, de 60 à 100. Dieu moyo igonge 60 100. Donc que vous soyez un grand sportif, là, ça peut arriver à 55 et c'est normal. Isipokuwa kama kabisa unafanya tizi mingi sana ndio unaweza fika kwa 50 kawaida. Vous voyez? Non, non. Une vie chrétienne, c'est une vie normale. Amen. Maisha ya Kikristo ni maisha ya kawaida. Vous donnez normalement. Unalalaka kawaida. Je ne force pas pour donner. Si kaze juu ya kupana, kupana kitu. Oh non, donner c'est. Kupana tu unapana kawaida tu, kupana, unagabula. Vous pardonnez aisément. Kusamehe hii kawaida tu unasamehe. Il y a des gens qui ne pardonnent jamais. Kuko watu wenye hawasamehe yake kamwe hapa. Tu lui fais du mal. Ukimulumiza kidogo tu unamfanyia mabaya kidogo, unamlomba msamaha. Revenez encore avec une faute. Subutu tena umukosee. Toi encore. Waye tena. D'abord. Na tena. Rappelle-toi. Wanja. C'était comme ça. Il est si qu'il croit qu'il fit. C'est filé. Il va te rappeler le péché depuis ta naissance. Atakukumbusha na mazambi zenye ulimfanyaka tangu ulizaliwa. Il crache sur toi. Anakutembea hapo. Jua alishasikia visirani. Sasa anatema ndio anasikia anapumzika. Alors que Jésus vous dit pardonnez combien de fois? 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois par jour. Kwa siku ile. Kwa siku. Mara 149. Ça c'est un seul frère. Na tena ile ingali tu ndugu umoya ule. Umoya ule. La chrétienté, c'est terrible. Le Christ ni matata. Pas de pardon. Hakuna msama. Chérie, pardonne-moi. Oh, mpenzi nisamehe. Ça va. Sawa, sawa. Une petite faute. Toi, rappelle-toi, tu as fait ça, tu as fait ça. Rappelle-toi tel jour, j'avais noté ici, c'était le 12. Tu avais fait, regarde, le 18, le 25. C'est pas vrai. Ule mama na subutu tena kukosea tu kadogo yo. Ule mama na kumbuka, kumbuka, kumbuka. Na ile siku ilikuwa katare le 12. Na ile siku ya le 25. Je ne peux pas oublier ça. Ilikuwa weye, si weye tena weye. Parce que tu es hypocrite. Unajua kama uko mnafiki. Parce que tu dois d'abord pardonner pour être pardonné. Tu makubidi wao usamehe tu makusamehe. C'est ce que Jésus a dit. Ndio Yesu alisema. Pardonner d'abord. Ngoya wewe samehe kwanza. Il vous fera cesser de vous conduire comme vous le faites. Roho Mtakatifu atakuachisha kuenenda gisu kuna enenda. D'être infidèle à votre femme. Usikue tena mwenye haiko mwaminifu kwa mke wake. Combien d'infidèles on a ici? Batu wangapi wako mwaminifu kwa bake zake? Bana yala. Plein. Bana yala chungu nzima. Toutes les filles du quartier. Ba fie yote ya mukartier. Le papa est un police et toi. Papa est un police ni weye. Ma sœur, pourquoi tu souffres comme ça seule à la maison? Dada, pourquoi tu n'as même pas ta petite sœur?
Tu en as plusieurs. Mbona uko na fujika na makazi hapa wewe peke. Jone na wezi tatamulo kwa kumbaba uko baloko ba mingi kwenu. Sui tatamulo kwa mbaba. Pourquoi? Hata kuambia jua nini apeni baloko wake wafike kwa abo. Juma nake kule. Il se réveille la nuit. Ana la mukaka musiku iko na nyanya. C'est un vrai serpent, il est en train de... Utawaza nyoka. Il est en train de... En train de ramper. Iko na tambala wee. Oh, je couvrais les enfants. Kama banamunasa ndio anasema nilikuwa nafunika watoto. Race de vipère. Wewe kizazi ya nyoka wewe. Et vous donnez à des gens pareils vos filles. Kisha watu saa wale mnawapatia mabinti yenu. Oh, je suis déjà une shanga, je dois me marier. Oh, mie nishakuwa shanga. Mimi napasha niolewe. Qui vous a dit ça? Nana likuambia vi? Quel est l'âge que la Bible a dit où on peut se marier? Muniambie kisa balisemaka yanga miaka ngapi njo mtu anaezi olewa? Vous commencez à aimer plus la robe du mariage que l'homme. Ehe. Munaanza fikia na kupenda kanzo ya ndoa kushinda na bwana mwalikuoa. Je vous dis la vérité. Nabambia kweli? Et vous me regardez, mais c'est vrai non? Muona niangalia si ni kweli. C'est la vérité pasteur. Comme un frère aussi dans la robe. Ça n'a même pas dit on est tout mulushungi basi. Mais cet homme là, c'est un serpent. Ule bwana. C'est un serpent. Si ni nyoka. Nyoka ya kulumana. Tu vas souffrir. Utatosha jasho hivi. Chaque domestique. Kila boy. Chaque bonne. Waku, kila kileta tu boy tu wa mwanamke kwako. Manararua. Tu vas te demander pourquoi tu t'es marié. Utajulisa uliolewa juu ya nini? Arrête maintenant, pasteur, ça n'est tout. Ah, mchungaji maraba, simamisha tu. On m'a dit qu'il y a beaucoup de suivi. Bali niambia, mchafu inayala mupiste, inayala. Ça me rappelle quand on descendait pour aller à Indianapolis. Inanikumbusha wakati kwa naanza shuka tuende ku Indianapolis. L'aéroport, il y avait la neige. Aéroport, il kwa na ubafu mingi. La piste était invisible. Na waone tena piste. Mais ils sont tellement organisés. Lakini wana ni wataalamu sana kabisa. Il y a des grands camions qui viennent. Bima kamion kabambi binakui. Ça ramasse toute la neige. Inalokota ile ubafu yote na bibeba vumbi. Et la piste devient ouverte. Tena piste inakuwa wazi. Devenchwa. Na njoka ndege kanashuka chwa. Wow. Wow. Oh Jésus, envoie oui. Maintenant là le caterpillar pour enlever tout ça. Oh Jésus, tout ma sasa le caterpillar, il y a un gole, il y a un mabuchafu yote. Voilà ce qu'il sait. Il sert à vous faire vivre une vie sainte. Amen. Rome takatifu, kazi yake ni kukuleta uishi maisha takatifu. Voilà à quoi sert la puissance du Saint-Esprit. Ona kazi ya uweza wa Roho Mtakatifu. À faire que vous vous affectionnez aux choses d'en haut. Amen. Kusudi ufikie uanze penda vitu ya juu. On ne force pas le chrétien à lire la parole. Ukristo wa mukazake kusoma Biblia au maandiko. Affectionnez aux choses. Anasikia upendo sana ya vitu ya juu. Il aime écouter la musique chrétienne. Anapenda asikie muziki ya Kikristo. Et quand ce n'est pas inspiré, il éteint. Na wakati haivuviwa anazimisha. Nyama ya mbuzi, nyama ya mbuzi. C'est quelle musique ça? Oh, la viande de la chèvre, la viande de la chèvre. Jobia, hey, c'est comment, c'est comment? Ce n'est pas chaque disque qu'on vend que vous devez acheter. Aiko kila CD ya nyimbo wanaujisha, ndio unapasha uza. Non. Hapana. Amen. Amen. Vous mettez une chanson, l'atmosphère change. Unatia nyimbo, hali mazingira inabadilika. Les démons fuient. Pepo zinakimbia. Qui ont déjà vécu ça? Wangapi walishakaishi jambo kama na hiyo? Moi, je vis souvent cela chez mie moi. Naishi ile. Je prends la guitare, je commence à chanter. Kamata nzenze unapiga. Après un moment, wakati moya, vous ne vous contrôlez plus. Aujizamini tena. Et vous ne savez plus la chanson
qui va suivre. C'est quelqu'un d'autre qui programme les chansons. Nyimbo ya kufata iko wenje utaiua. Mwingine ndiko napana programme ya manyimbo sasa. Après un moment, c'est la chorale angélique qui vous environne. Wakati moya hivi ni kwaya ya kinjini ya malaika ndio wanakuzunguka sasa. Même les enfants, tout le monde sent que Jésus est là. Na watoto wanasikia kama Yesu alishafika pale. Yes, sir. Que Dieu nous vienne en aide. Mungu atusaidie sana. Rentrons. Turudie. Rentrons à ça. Turudie. Rentrons à ça. Turudie kwa ile. Amen. Un épisode c'est combien de temps pour un film? Kwa filamu moja episode moja inaweza kamata wakati ngapi? Combien? 30-45 minutes. 45 minutes pour un épisode, je crois. Et vous êtes à genoux à combien de temps? Na unaweza bakia kuti saa ngapi? Pour prier. Kwa kuomba tu. Même pas une épisode. Ayene hata épisode moi. Même pas une épisode mes sœurs. Ayene hata épisode moi. C'est l'idolâtrie. Ni kuabudu sanamu ile. C'est de l'idolâtrie. Ni kuabudu sanamu. Dieu veut dire objet d'adoration. Musemo wa Mungu maana yake kitu cha kuabudu. Qu'est-ce que j'aime plus au monde? Napendaka nini kulimwengu? Mudunia nini? À quoi je donne beaucoup plus de mon temps? Wakati yangu ya mingi mimi naipitishaka kunini? Quand tu vois un catholique devant une statue idolâtre. Ça on a semé mon catholique iko mbele ya sanamu fulani na mabudu sanamu. Tu vois un féticheur avec ses histoires idolâtres. Unaona mfumi ngo na fabi yake pale unasema huyu ni mwabudu sanamu. Et toi avec ton film là. Na wewe na ile filamu yako. Qui t'empêche de prier? Et na kuzuia kuomba. Ah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah, tutafanya sasa. Rentrons seulement, il n'y a pas d'excuse. Je te redis et toi kuna sababu, hakuna vya masababu. Il n'y a pas de comment? Pas d'excuses. Des raccourcis, voulais-je dire. Hakuna makatiriza. Pas de compromis. Hakuna mapatano pale. C'est qu'a dit William Branham. Kenya William Branham alisema. Voilà ce qu'il faut faire. Ndio benyo unapasha fanya. Vous dites je ne peux pas. Unasema oh si taweza. Oh je ne peux vraiment pas. Kweli si taweza. C'est sûr vous ne pouvez pas. Dieu ni kweli hautaweza. Mais le Saint-Esprit est venu pour ça. Lakini Roho Mtakatifu alikuja juu ya ile. Voilà ce qu'il a fait. Ona Kenya alifanya. Il est venu pour ôter ça de vous. Alikuja ndio kutosha vile mweye. Toutes ces vieilles habitudes et ces choses que vous faites. Zile tabia za zamani na hiyo mambo ambayo mnayotenda anakuja itosha. Amen. Frère, c'est le message. Ndugu ni ujumbe. Tu n'es plus dans la dénomination. Hauko tena mzehebu. Tu dois couper le pont. Inabidi unakata kilalo nyuma. Frère, on parle de Viking. Ndugu brana manaeleza juu wale askari wa Viking. Il gagnait des guerres pourquoi? Walikuwa na wina ma vita juu. Ils étaient déterminés. Ni juu walikuwa na wana ils étaient déterminés. Quand ils voient une ville ou un village ou une cité, ils s'organisent. Ils disent, si nous y allons comme ça, c'est vrai qu'ils sont forts. Mais nous sommes des Vikings. Les Vikings ne perdent pas. Wa Vikinga wao hawapotezake. Vous voyez? Ama mashindwa. Le Viking ne doit pas perdre. Vikinga apache shindwa. Comme il ne doit pas perdre. Si apache shinda, alors il ne recevra pas une balle dans le dos. Kumbe abata mupiga lisasi mu mugongo hapana. Nous fonçons. Tunasonga mbele. Et pour foncer, usonga mbele. Le pont kilalo etuko naye. Qui sépare? Enye natenganisha. Leur ville de cette autre cité. Mwa hii muji na ingine ile cité ile. Il brûle ça. Bana ilunguza ile kilalo.
pour que personne ne rentre en arrière. Nous mourrons là-bas. Ou alors nous vivrons là-bas. Il n'y a pas deux choix. Où nous prenons la ville, elle devient notre. Où nous périssons. Tant que vous n'avez pas cette détermination, vous n'aurez jamais le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. Seigneur, le Saint-Esprit, ou alors, mets fin à ma vie. À quoi me sert-il de vivre sans le Saint-Esprit? Même les cochons n'ont pas voulu vivre avec des démons. Quand Jésus avait chassé les démons du fou de Gadara, ils ont demandé à Jésus, est-ce que nous pouvons entrer dans ces pourceaux? Allez-y. Les cochons ont dit quoi? Nini? Nous. Chie. Que les démons vivent en nous. Oh Seigneur. Nous préférons mourir. Au moins tu couffes. Au moins couffa. Les démons sont. Les pourceaux, les cochons sont allés droit dans la mer. Kikundi yanguru ezikaenda mbio mubahari. Mais il y en a qui se promènent ici. Lakini kuko watu hao wako wanatembea. 500 démons. 500 na pepo. Osez mettre les mains dessus. Hey, hey, hey. Pas impossible. Toi-même orgueilleux. Chaque fille qui passe, tu dois la convoiter. Et tu le sais très bien. Inabidu mutamani, we, unayua mzuri. Est-ce que tu ne te poses pas la question? Pourquoi dois-je vivre comme ça? Si les cochons ont refusé de vivre, mais reste à l'hôtel que tu meurs aussi là-bas. Seigneur, ou tu me délivres, ou alors je n'ai pas droit à la vie. Je ne vous ai pas dit d'aller prendre des comprimés. Vous irez en enfer. Je vais me tuer avec des comprimés. Vous irez en enfer. Dajiwa mina jipatia bimadawa kisha mina kufa utenda kuzimu tu. Non, comme Judas. Sa Yuda. Ce n'est pas ça la repentance. Aiko njo toba ile. Tu te mets la corde. Unajiweka kavanga. Tu vas en enfer. Unaenda kuzimu. Tu dois mourir à l'hôtel, pas te tuer. Umazaba unjo unapasha kufa hapana kujiua. Il y a des esprits qui comprennent mal. Kuna kwa maroho ambayo inaelewa vibaya. Tu restes là, Seigneur. Nabakia pale unalilia Mungu na mbia mie ni kubadilika njo napenda. Pourquoi ça, Seigneur? Jia nini Bwana? Je dois toujours faire marche arrière. Kila siku ni kurudia nyuma. Un pas devant. Atua mbele, atua tatu nyuma. Et beaucoup de gens restent au deuxième niveau. Na watu wengi wanabakia kiwango cha pili. Plein dans l'assemblée. Bana ya la ndani ya chumba. Des gens qui savent les sites, connaissent les sites. Dio watu ambao wanajua kabisa mimi. Frère Banamadi. Oui, dans telle brochure. Au paragraphe fulani, paragraphe kipindi. C'était au soir. Kwanja mwaka fulani magharibi na sasa unasikia ndugu anasema. Il connaît la parole. Bana anajua neno kabisa. Mais regarde la vie qu'il mène. Sasa, fata maisha iko naishi. Regarde comment il réagit envers sa femme. Uangalie gisi anaishi na bibi yake. Il chosifie sa femme. Iko anafanya mke wake saka kitu. Frère Branham dit, un chrétien ne peut jamais faire de sa femme une serpillière. Paillasson. Ndugu Branham anasema ya kwamba Mkristo mwanaume hawezi chukua mke wake kama vile kikoropo. Nous ne sommes pas des musulmans. Ah, tu connais l'islam, j'ai. Nous sommes des chrétiens. Je suis un Christ. C'est une fille du roi. Bin tu amfal meule. Tu n'as ni droit de la tromper, ni droit. Amen. Hauna wala na mépriser. Hauna na haki wala. Même si tu es son patron. Wala kumudharau hata kama wewe ndio bwana mkubwa wake. Le patron, c'est selon les responsabilités et le rôle à jouer. Bu patron, il est ni kufatana na kazi na jukumu zenye uko nazo. Ndio bu patron. D'ailleurs, dans filtre d'un homme qui réfléchit, Frère Branham dit qu'elle peut ne pas te respecter parce que tu n'es même pas un homme.
Kwanza ndani ya chujio la mtu mwenye kufikiri, ndugu Branham yuko nasema aseme, anaweza au hawezi hata kukuheshimu kama wakati yenyewe hauko hata sawa. Tu es irresponsable. Kwanza haujumulike. Tu ne lui donnes rien. Haumpati. Tu la laisses affamée. Unamwacha njaa. Tu ne lui payes rien. Haumuzie kitu. Alors que tous les désirs de la femme doivent se tourner vers son mari. Japo shauku zote za mke za mwanamke zinapasha kumwendea mume wake. Elle doit se débrouiller pour s'habiller. Inabidi ajitafute juu aanze vala. Elle doit se débrouiller pour manger. Ajitafute juu apate vya kukula. Elle doit se débrouiller pour vivre. Ajitafute juu angalie kisi atatengeneza. Atatengeneza nyele wala kupata hata mafuta ya kupakala. Même son droit conjugal, rien, rien du tout, et tu t'appelles chef. Hata na haki yake ya nyumba hakuna, hakuna kisho najiita wewe ndio chef. Mais bwana m'a dit. Ndugu Branham anasema, tu ne l'es pas. Hauko haya, hauko tefu. Tu es démissionnaire. Wewe umeacha kazi. C'est dur mais c'est vrai. Niko ngumu lakini ni kweli. Reste à ta place en tant qu'homme. Bakia fasi yako sawa mwanaume. Débrouille-toi. Tafuta. Cherche le travail. Tafuta kazi. Mais Branham dit, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent vivre sans travailler. Ndugu Branham yuko anasema hivi asikubwa basi. Anawazia sema naweza ishi bila kutumika. Anasema hapana. L'église ce n'est pas une société de caritas ou une société caritative où on doit venir aider les pauvres. Kanisa haiko ndio fasi kwenye manenda fanya caritas. Aseme pale ndio atakuwa na seria masikio. Non de l'assemblée. Oh, John desturi ya kanisa. Mutuel. Mutuel ya kanisa, wanafanya mutuel. Toujours au diaconat. Ya kila siku kwa shemas. Ya pas à manger aujourd'hui. Leo hakuna vyakula. Ya pas à manger aujourd'hui. Leo hakuna vyakula. On t'a enregistré plus chaque jour de culte. Tu es enregistré. Kila siku ya kusanyiko wanakutiaka ku karatasi wanakuregistrer. Mais moi ça peut m'énerver ça. Mie vile vinezi nisirikishe. Si je suis chrétien. Kama niko mkristo. Ça m'énerve. Bina nisirikisha. Où est mon père pour s'occuper de moi? Baba yangu iko wapi kunishughulikia? Où est Dieu? Mungu iko wapi? S'il est vraiment mon père. Kama ni baba yangu. Comment je dois manger le pain pour vivre? Jua nini mimi napasha kuomba omba mkate juu niishi. Vous ne vous révoltez même pas et vous trouvez ça normal. Nijua ujitomboshe na ndio maana ujikute kama iko sawa. Non! Hapana. Comment les oiseaux doivent manger? Moi, une fille de Dieu, un fils de Dieu, que je reste affamé? Non! Ayetu ndenge zitakula mie binti mwana wa Mungu ni bakie njala. Hapana. Chaque jour. Kila siku. Sachez. Sachez. Chez le frère. Mais il va se fatiguer. Si atachoka. Oh, l'amour fraternel. Oh, upendo wa kindugu, upendo wa kindugu. Moi, j'aimerais que quelqu'un qui reste là, Seigneur. Tu m'as donné un diplôme. Pour qu'avec ce diplôme je trouve l'emploi. Kusudi juu ya ile cheti nipate kazi. Et pas avec l'emploi je trouve l'argent. Na kazi nipate pesa. Pour nourrir ma famille. Ni kulisha jamaa yangu. Pour voir cela Seigneur. Basi uandae kwa ajili ya ile Bwana. Et tu restes là. Unabakia kwa magoti. Exauce ma prière. Jibu maombi yangu Bwana. C'est ça un chrétien. Jobu Kristo ule. Moi je crois à ça. Dieu exauce la prière. La jiviaka maombi. Je suis licencié. Oh, niko licencié. Et qu'est-ce que tu en fais? Kisha ulifaa nini na licence yako? Oh, gens de peu de foi. Oh, watu wenye imani ndogo. Oh frère, le pays est comme ça, hein? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ah, ndugu, inchi njoe kumbaya, on appelle it fine. Non. Nous ne sommes pas seulement Congolais. Chia, tuko tu wa Congolais. Nous sommes des Congolais célestes. Chia, ni wa Congolais, wa kumbingu. Nous avons une nationalité que les autres n'ont pas. Tuna nationalité, nye wengine habana. Notre travail ne vient pas d'ici. Kazi yetu haitokea hapa hapa. Notre travail vient de là. Kazi yetu inakuja kule. Papa Dieu va déranger un ministre. Papa Mungu atatsumbua tu ministre mmoja. Papa Dieu va déranger un chef de division. Papa Mungu atasumbua kama ni chef de division. Pour que ton dossier soit le tout premier sur sa table. Dossier yangu ikuwe ya kwanza kumeza yake.
Moi je crois à ça. Ni na yamini. Et j'ai vu Dieu le faire. Na niliona Mungu anaifanya. Amen. C'est énervant que tout chaque frère devienne seulement kaka security. Nibiraisa kwani akuzirikisha onee. C'est énervant ça. Kila ndugu anakuwa ni kaka security. Security. Tu travailles où? On a tumika kwa société de gardiennage. Niko nafanya security. Et quand il a fait 2 mois? Na sasa chafa miezi mbili. Pasteur, je viens pour la fréquentation. Oh, mchungaji mimi nakuya na mimi nianze fata. Ça fait mal. Naumiza. Ça fait vraiment mal. Kweli inaumiza. Qui vous a dit qu'un chrétien ne peut pas avoir de jet privé? Nani alimwambia aseme mkristo yeye hawezi kuwa hata na ndege yake ya pekee? Qui vous a dit ça? Nani alimwambia vi? Moi j'aimerais des gens qui se révoltent. Mimi napenda watu ambao wanajitombosha. Cela, vous savez frère, nous sommes tous nés nus. Ndugu yangu wale kwanja. Si wote tulizaliwa kauchi. Qui est né avec une cuillère en or? Muniambie nani mwalizaliwa na kijiko ya oro mumkono? Qui? Qui lève la main? Ainua mkono. Toi tu penses que Dieu t'a envoyé ici pour souffrir? Kutuma hapa juu uteseke. Et pour que tu dépendes seulement des autres et que tu restes là de maison en maison, des sachets et des sachets. Chuba kie pale uko natega tu mkono kwa watu wakubeba tu sachet kila saa kwa nyumba tu. David a dit dans les psaumes, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Daudi akasema sijawahi ona mwenye haki kuachiliwa. Jamais. Kamwe. Ni sa posterité mendiante. Wala uzao wake kuombaomba mkate barabarani. Ça veut dire quoi? Nikusema nini? Si tu meurs, ukikufa, tes enfants doivent garder beaucoup de choses. Watoto wako wanalinda mambo mengi. Ils doivent hériter beaucoup de biens. Wanarithi. C'est ce que David a dit. Ta postérité ne va pas mendier. Uzao wako hautaombaomba mkate barabarani. Mais tant que vous ne le savez pas, vous n'allez pas réclamer ça. Lakini wakati yenye huyo ile hautadai ile. Hein, frère Manu? Hein, ndugu Manu? Et que tu as le même diplôme que Jarine Mabunda, non? Si vous connaissez le diplôme, ça, Jarine Mabunda. L'Abdallah Zaïd. Et alors? Quand ce n'est pas un besoin, la foi ne se produira jamais. Wakati haiko hitaji, imani haiwezi kupasuka. Il faut que ça soit d'abord un besoin. Inabidi kuwe kwanza hitaji. Quand ça devient un besoin, wakati inakuwa hitaji, ça révolte. Inatombosha. Et quand ça révolte, ça crée la foi. Wakati inatombosha, inaumba imani. Et avec la foi, tout est possible. Na imani, yote yawezekana. Toutes les bonnes choses seulement aux autres. Mambo mazuri kuvengine njo. Au dénominationnel. Wa kizehebu. Je suis arrivé à Jeffersonville. Nikafika Jefferson. J'ai vu des frères. Nikaona wandugu. Humble. Wanyenyekevu kabisa. Mais bourré d'argent. Lakini ya pesa. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Malifani. Ils ont été seulement respectueux et ils ont vécu le message de Frère Branham. Wao walikuwa wenye heshima na wakaishi ujumbe wa ndugu Branham. J'ai posé quelques questions. Nikauliza pamoja pamoja. En tout cas, tu vois qu'ils sont propres. Unawaona kabisa. Wanaenea safi kabisa. Qu'ils vous disent leur salaire, mais vous tremblez un peu. A quoi ambiye msharaki, suta tetemek. Vous dites, mais est-ce que nous on vit ou on vivote? Kasi ma, si tu naishi, ya otu kona fasa, mais tu nataftaishi. Et puis, nous accusons seulement le Congo. Ah, c'est notre pays, frère. Oh, kisho nana. D'abord, nous chrétiens, changeons de mentalité. Shie ba Christo, yo tuanze va dilika kwanja. Vivons la parole. Tuishi neno. Nous verrons si Dieu va laisser les choses continuer. On est comme vous savez, frère, nous pouvons changer ce pays, nous. Chie. Tunaweza badilisha hii nchi. Un chrétien peut changer
les choses dans une province. Le Christ anaweza badilisha mambo ndani ya province. Tu peux ouvrir une porte qui était fermée. Unaweza fungua mlango ambao ulikuwa unafungwa. Par ta foi. Na imani yako. Est-ce que tu as suivi ça? Mefata ile. Tu peux le faire. Unaifanya. Crois-le d'abord. Amini hayo kwanza. Pourquoi Dieu a permis que je naisse? Oh, Johnny, ni Mungu aliruhusu nizaliwe. Je crois que nikomale, nisome. Les autres sont morts. Si wengine walikufa, mwa ile njia tulikuwa napita. Tous n'ont pas eu les diplômes comme moi. Kwanja bote hawakupata cheti sami. Il a permis que moi je puisse avoir ce papier. Akaruhusu nipate kwanja ile cheti. Et c'est un papier juste pour lire. Je, ni karatasi tu ya kusoma. Ou c'est pour m'aider? Au ni kwa ajili ya kunisaidia. Pourquoi je ne peux pas créer aussi quelque chose? Joani na misiezi tu flani. Aucune ambition. Hakuna hata lengo. Il y a des gens qui n'ont aucune ambition dans leur vie. Nama nasema kuna watu ambao hawana hata na shaba, hawana lengo maisha. Malgré les grands diplômes, mais il n'y a pas d'ambition. Hata kama ana cheti kubwa lakini hakuna lengo, hamna shaba. Mais Dieu voit l'ambition que tu as là. Mungu anaangalia njo shaba uko nayo pale. Il veut créer une chose, ok, ça va. Je vais l'aider à créer. Napenda kitu fulani, ok, sawa. Pale ndio ndakuya na mimi. Comme Charite. Kama vile John Charite. Il vivait tellement à genoux que Dieu lui-même lui donnait l'inspiration. Alikuwa naishi kumagoti mpaka Mungu yeye mwenyewe akakuwa anampatia na uvuvio. Après il est devenu millionnaire, frère du message. Millionnaire, ndugu tu wa mujumbe. Adi. Ebu. Oh frère, c'est la volonté de Dieu, laissez-nous comme ça. Ah ndugu, ni mapenzi ya Mungu tu kubakia vile. Okay, ça va. Ça. Peut-être si Dieu te donnait plus, tu vas abandonner la parole. Akose. Dieu Mungu akose akikupatia za mingi na neno unaiacha lwako. Tu es seulement dans l'ignorance. Uko njoo hauyua, una habari. Mais tu es capable. Lakini uko na shahada. Qui t'a dit que l'élévation vient des diplômes? Nani alikwambia sasa kuinuliwa inatokana na macheti? Quand vous voyez Moïse Katumbi, un diplômé d'État. Ça, on a Moïse Katumbi. Alipata cheti ya. Tous nos présidents, là, dites-moi un peu leur vie académique ou leur diplôme. Zunguruka na wa president walipita. Et l'élévation vient d'où? Na kuinuliwa inatokana. C'est seulement un slogan, ça vient du ciel. Mais vous qui venez du ciel, vous êtes pauvres. Ni kusema tu, aseme inatoka mbili. Kisha wema unakuwa maskini. Fille de Dieu, fils de Dieu. Binti wa Mungu, mwana wa Mungu. Ah, ça fait mal, hein? Nalumiza, hein? Non, ça révolte. Hapana, inabidi itomoshe ndio. Ça veut dire quoi? Je vais vivre la parole. Nataka niishi neno. Et je vais voir si Dieu va tenir promesse ou pas. Na nione kama Mungu atashika neno lake, ahadi yake. Je frappe à toutes les portes, l'une va s'ouvrir. Nagonga milango yote, moyo itafunguka. Je ne serai pas paresseux. Un chrétien n'est pas paresseux. Amen. Sitakuwa mvivu, mukristo akwake mvivu. Je vais rester seulement à la maison en train de lire les brochures. Un jour Dieu pourvoira. Nibakie kunyumba tu niko na kitabu wewe siku mwa Mungu tu atafungula milango. Ça non, ile hapana. Je quitte le matin, Seigneur, je vais travailler, je vais trouver du travail. Natoka asubuhi nasema Bwana naenda tafuta kazi. Je rencontre le frère et dit, frère, mais tes chaussures sont sales là, je peux t'aider un peu à arranger ça. Nakuta ndugu na mwambia ah viatu vyako kuchafu ni kusaidia kwa kuitengeneza. Frère, comment tu t'appelles? Kwa nani? Ah bon? Vous faites connaissance. Munajuana kwanza, famiana hata. Voilà, Dieu lui montre des pistes même comment faire les choses. Na kuonesha hata mbinu namna. Et si c'était les souliers de mon frère René là-bas qui est directeur. Ilikuwa ni kiatu kwa mfano ya rafiki yangu. Ambaye iko director comme ça. Et vous regardez, il me dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? On a fait une maisha, oui. Non, non, je suis là, je cherche le travail. Mais je suis prêt à tout faire. Lakini ko tayari kwa yote. La confiance commence à venir petit à petit. Tumaini inaanza ingia pole pole. Et après?
J'ai découvert que souvent les gardiens là des portes des ONG sont recrutés, ils sont maintenant à l'intérieur dans des bureaux. Nilikia ona ya kwamba mara kwa mara ni wale wa kulinda mlango kwa ONG ndio unakia kuta tena wanaingia maofisi. On publie un poste comme ça, mais lui est déjà gardien. Il dit eh, mais je suis licencié non, mais j'étais ici. Yeye banatia poste fulani na mimi niko gardien ndio lakini niko na diplome yangu anatia na poste ile pale. C'est l'ancien gardien non? Si ndio ule gardien wetu wa zamani. Ndio ni wa zamani. Humiliez-vous d'abord. Jishushe kwanza. Et sachez aussi vivre selon votre niveau. Ujishushe kwa na yua kuishi kufatana na kiwango enye uko amo. Tu me vois porter ça, ce costume? Unaniona mimi nafala hii koti? Dès que j'ai peut-être 400 dollars. Akosi ni kama ni ya 400 dollars. Moi aussi, je veux. Na mimi ile koti sasa ya pasteur ndio ndauza tu. Tu touches combien? Unakusaka ngapi baba unapataka ngapi kumwezi? Tu vas tuer ta famille pour rien. Mbona utaua jamaa yako bure? Qui t'a dit que tout le monde doit s'habiller comme moi? Nani alikwambia sasa kila mtu anapasha vala sasa mchungaji? Commence par le bas. Anzia kwa kubia chini. Là où Dieu t'a placé. Hapo kwenye Mungu alikuweka. Anza panda polepole twende hatua kwa hatua. Va d'abord dans le marché chinois. Wende kwanza muvieti. Tu vas trouver quelque chose. Ah, wende mukingi lili kwanza unapata kitu fulani. Et tu vas trouver à manger. Na unapata na vya kukula. Unavala na unakula. Et tu habilles ta femme et tes enfants. Unavalisha bibi yako na batoto. Tu vois le frère seul là-bas, il est 500 dollars. Uko naona frère yepeke anasape 500 dollars yepeke. Regarde un peu sa femme, tu as pitié. Ukiangalia bibi yako unasikia na huruma. Regarde les enfants. Batoto ndio usiseme. Comme les enfants de la rue. Biko tout ça va maibobo. Pas de Saint-Esprit. Hakuna Roho Mtakatifu. Il ne croit pas encore au message. Hauamini ujumbe, hauyaamini. Frère Branham dit. Donc Branham anasema. Pour un chrétien. Kwa mukristo. D'abord Dieu. Kwanza Mungu. Amen. Amen. Ensuite sa famille. Kisha jamaa yake. Lui vient après. Yeye anakuja wa mwisho. Ainsi dit le prophète. Amen. Hivi asema nabii. C'est-à-dire ma femme doit s'habiller mieux que moi. Nikusema mke wangu ndio anapasha vala mzuri sana kunishinda hata. Elle doit être beaucoup plus à l'aise que moi. Anapasha kujisikia tena stare kunishinda mie. Sinon je ne suis pas encore chrétien. Kama iko vile si ya kuwa mkristo. Est-ce que j'ai un amen ici? Ninaamini pale. Costume 200 dollars, ta femme un habit de 10 dollars Dubaï. Unauza koti ya 200 dollars wewe papa, unauzia bibi yako zilipendwa. On les sifu une seule fois. Bana ifula tu limoya hivi. Il y a plus rien. Ah, basi inakuwa meupe. C'est une honte. Iko haya sana. C'est tout pour nous les chrétiens. Saidi sana nous devions montrer aux païens que c'est nous les chrétiens qui aimons nos femmes. Amen. Amen. Tulipasha kuonesha ya kwamba sisi wa Kristo ndio tunapendaka babibi yetu. Est-ce que c'est la vérité? Ni kweli? Est-ce que c'est la vérité? Ni kweli? Mais quand Dieu voit l'égoïsme qui est dans ton cœur. Na sa Mungu anaangalia na buchoye nyoko nayo kwenda kujipenda. Même si je lui donne celui-ci. Hata mimi nampatia huyu makuta huyu. Binti wangu sinjua ataliona hapo analotesekea. Alake kwa vile. Kabisa. Parce que tu vas donner ça à une pute. Tu kwanza sa unapata ile lufranga lunaenda kubambaraka. Tu n'as que 100 dollars par mois. Unapataka 100 dollars kumwezi 100 dollars. Mais tu as donné 80 dollars au pute. Unakamata mwele 100 dollars unatosha mo 80 dollars ndio unapatia kahaba. Et les 20 dollars? Jo 20 dollars tu ndio unaanza wazia kwa maisha. 20 dollars mu 100. Voyons voir comment on va vivre. Tuone kisi tutaishi na hii 20 dollars. Plein de dettes. Unayora madeni we! Madeni.
Sortons de là. Tutoke mwa bitu sana vile. Que la piste soit propre. Tusafishe piste ndege itoke. Parce que Dieu veut nous amener quelque part. Moi, j'ai confiance au Seigneur. Que dans cette église, si nous restons fidèles au message, je vois de grandes personnalités. Amen. Des familles vraiment bénies, aisées. Jamaa ambazo zinabarikiwa na zinaishi safi kabisa. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Amen. Je m'appelle makamilifu ya Mungu. Sasa me dit Dieu veut que vous mangiez trois fois par jour. Dumbra nama nasema Mungu anapenda mkwe nakula hata mara tatu kwa siku. Est-ce qu'on a lu ça? Si tulisoma ka ile ndio. Un autre ordinateur ambulant là. Eh, hey, computer yetu pale. Voilà. La volonté de Dieu, mapenzi ya Mungu, c'est que nous puissions manger très bien. Tukule muzuri. Que nous nous habillions bien. Vala muzuri. Et que chacun de nous ait même un compte en banque. Na kila moja wetu anakuwa tena makonte ku banki. Bien fourni. Tena yenye siku amo makuta. C'est ça la volonté parfaite de Dieu pour nous. Ile njo mapenzi makamilifu ya Mungu. Après le Saint-Esprit, kisha kupata Roho Mtakatifu. Pierre avait posé de la question. Petro saliulizaka. Nous avons tout laissé, nous t'avons suivi. Tumeacha vyote, tukakufuata, tutapata nini? À part la vie éternelle. Inje tu ya Roho ya uzima. Vous aurez les biens de ce monde, mais avec peine. Mutakuwa na mali ya dunia, lakini na magumu. Quelques difficultés, bien sûr. Eh, mutapata mashindano wa magumu ndio. Ni neno ni ahadi na. Quelques épreuves. Vipimo iko pale. Tu peux être millionnaire. Unaweza kuwa mumilionari. Tu peux être un PDG. Unaweza kuwa PDG. Et ce n'est pas un péché. Haiko zambi. Tu peux avoir plusieurs entreprises. Unaweza kuwa na makampuni nyingi. Hein, Frère James. Hein, Ndugu James. Et c'est la volonté de Dieu. Na ni mapenzi ya Mungu. Dis Seigneur, j'aimerais faire quelque chose pour aider les autres frères. Comment Dieu ne va pas répondre? Unasema sema Mungu mimi napenda nifanye kitu yenye naona wandugu wengine wanasaidiwa. Jioni ni Mungu asijibi. Une fois que vous avez quitté les lieux saints. Sa unatoka mahali patakatifu tunarudia ndani ya hekalu pale. Là tu as quitté le monde des frères et sœurs. Unatoka ile ulimwengu yasema ya wandugu na wadada. Notre église. Oh kanisa yetu. L'assemblée. Oh assemblée yetu. La foi collective. Imani ya kikundi. Tu quittes ça. Unatoka mwa ile hali. Tu traverses. Unavuka. Le voile. Pazia. Tu es seul. Uko wepek. Avec ton Dieu. Na Mungu wako. Tu ne dépends plus de l'assemblée. Awambatane tena na kusanyiko. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Vula inyeshe kuwa ubafu. J'aime Jésus. Mina mpenda Yesu. Jésus même. Yes, ananipenda. Tu as une relation personnelle. Una uhusiano wa kipekee. Tu manges la manne cachée. Unakula manne iliyofichwa. La loi de Dieu est gravée dans ton cœur. Torati ya Mungu imechapwa tayari ndani ya moyo wako. Tu vois une femme nue. La loi de Dieu dans ton cœur détourne ta tête. Unaona mwanamke ambaye anavala vibaya. Sheria yenyeko muro yope kinageuza sura yako. Et tu sens même la nausée quand tu vois le mal. Na wakati unaona mabaya unasikia ndio kichefu chefu. C'est une autre nature. Ni maumbile ingine ingine. Une autre vie. Ni maisha uzima ingine. Yes sir. Toi tu penses que ces sœurs n'ont pas l'argent pour payer les bijoux. Unawaza sema hapa dada ni franga ndio manakosa juba siuze nabo mabiju. Ce goût-là n'est plus. Ni hamu tu haiko tena. Il n'y en a plus. Hakuna. Toi, tu penses que ces frères manquent l'argent pour se payer toutes les putes dans les hôtels. Oui, on a dit que ce frère 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 a dit que ce
Toutes les métisses de Bukavu qui se sont budgétivores. Sorry. Ah, vale, ba métisses et autres ya Bukavu, on a dit que c'est meilleur. Tu penses que ce frère, on ne peut pas l'aimer? On a dit que c'est un frère, on ne peut pas l'aimer. Mais ce n'est pas en lui. Lakini, hana il est mort sur l'autel terrain. Kwenye mazabau ya shaka. Tu es heureuse si ton mari a le Saint-Esprit. Amen. Mama, mwanamke uko mwenye heri kama bwana yako yuko na Roho Mtakatifu. Tu es sûr qu'il est allé au travail, il va rentrer à la maison sans problème. Una uhakika ameenda kazini, atarudia nyumbani bila shida. Mais sans le Saint-Esprit, tu es comme ça. Lakini bila Roho Mtakatifu. On ne sait jamais. Uko tu mtu aiwake wa mtu aiwake. Tu vois le frère qui va seul avec les sachets au marché. Unaona ndugu yepeke anaenda msoko na sachet. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui prend le frère? Ndugu biko aye. Il n'a pas confiance. Hana tumaini mwili yake. Sa femme peut aller au marché et rentrer intacte. Hana tumaini kusema aseme bibi yake anaezi toka tu munyumba luzima luzima anaenda msoko na narudia kunyumba. Le marque du Saint-Esprit. Kukosa Roho Mtakatifu. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. C'est obligatoire. Ni ya shurti. Nécessaire. Ya muhimu. Et indispensable. Na ya lazima. D'avoir le Saint-Esprit maintenant. Kuwa na Roho Mtakatifu hapa sasa. Sinon, kama iko vile, vous ne participez pas à la résurrection. Wewe hautakuwa mwenye watafufuka. C'est très important. Nia, ça sécurise vos ménages. Na bunyumba yako inakingwa. Amen. Na maisha yako inakingwa. Ça sécurise vos enfants. Na watoto wako wanakingwa. C'est une sécurité totale. Mbona ni ukingo ya lote. Alléluia! C'est une véritable sécurité. Ni ukingo alisi. Ça vous élève au-dessus du mal. Inakuinua juu ya mabaya. Yes, sir. Alléluia. Alléluia. C'est à l'aéroport de New York que j'ai vu. Plus vous montez. Niku airport ya New York njoni niliona zaidi uko unapanda. Vous regardez Manhattan avec les buildings, les gratte-ciel là. Manhattan ça devient comme des petits riens sur la terre. Manhattan ambayo iko na majengo ambayo zinapanda kwa mawingu, lakini wakati unaanza panda yule mawingu na wewe na mundege unaanza ona ile majengo unakuwa kitu. Mais si vous êtes par terre. Lakini kama ungali chini. À côté de ce building là. Pembeni ya ile viva building. Vous regardez. Unatomola macho na angalia. Vous pensez que c'est en train de gratter le ciel. Unawaza sema na ndio vile banazitaka tu gratte ciel. Siko zinakuna mbingu. On dirait que ça bouge. Unawaza sema siko zinatikisika. Tellement c'est haut. Siko mrefu sana. Parce que vous êtes par terre. Juu uko chini. Ce péché là. Hiyo zambi yo. C'est grand, c'est élevé parce que tu es par terre. Hiyo zambi uko na yona ni akabambi sana juu ngali chini. Ndio. Quitte un peu. Toka tu, toka kito. Panda. Plus vous montez. Panda zaidi unapanda. Unaanza yona chini hivi. Et après ça disparaît. Que Dieu vous bénisse. Bwana wabariki sana. Alléluia.